Yo. 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 Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des folles aventures de Jackie et Michel. Oh là, ma caméra, qu'est-ce qu'elle fait? Je suis Jackie et je suis avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour Jackie. Comment ça va des biens? Bah ça va bien et toi? Alors, Michel, je t'en supplie, trouve-nous une destination. Ah, tu veux que je cherche? Bah oui. Ah, chef de convoi, quoi. Bah je te l'ai dit, fais-le parce que la dernière fois on a eu des soucis avec le fait que moi j'ai l'IDAO et que tu pouvais Ouais, pas mais aller. bah là. Là, justement, il n'y a pas de problème en longeant la côte ouest. Côte ouest! La vie passe. Non, Non, c'est. quand ouais. Ouais. Bah Ah, j'en finalement ai un. j'ai pas besoin de. Merde. Ah! J'en ai un Ah! qui va jusqu'à Portland. Ça longe pas vraiment parce que ça passe un peu plus vers la droite, mais ça remonte on remonte toute la côte ouest jusque bah, la frontière Bah de toute de façon Washington. on a que des trucs qui remontent donc essaye de regarder ouais dans les contrats externes. Parce que Bah, comme ça on je suis fera dans les contrats le. externes, donc j'ai pris le premier qui part de Los Angeles. Hein. Il fait Bah, en fait, quoi? c'est. Il fait combien de miles? Il fait 1063. C'est le plus gros pour environ 35 000 dollars. Bah j'ai Auckland là. Ah oui mais non toi c'est. Tu m'as dit où? Moi, c'est Portland. Ah oui Portland c'est plus haut d'accord. Auckland. Et qu'est-ce qu'on transporte? On transporterait de la papeterie. La papeterie, d'accord. Ah merde, j'avais oublié de. Je voulais tenter un truc. Oh, bah c'est pas grave. Comme ça, après, si tu veux, on peut visiter un peu. Je sais pas, on pourrait aller au nord, carrément à Bellingham, par exemple. Ouais, après Colville de Washington, dans la mission suivante. après on verra, ouais. Ouais, donc Donc, vas-y. attends, non, c'est pas la bonne. Je suis Merde. pas sur la bonne. L'autre page, reviens, reviens. Calme-toi. Moi je dois faire, hop, Ok. gestionnaire des convois. Voilà, attends, ça synchronise. Voilà, j'ai Voilà. vu, je J'ai lancé clique, la mission. je mets consulter et choisir la même mission. Pam, C'est pas prendre moi. la même mission. Vous voyez, on remonte jusqu'en Oregon. Allons-y. Eh Ouais, puis ben, on si tu s'arrête veux. pile poil. Ah, il fait nuit. Pourquoi on est toujours dans la nuit quand on arrive, nous? C'est parti. Je sais pas où ils m'ont mis. Bah, moi je suis au garage. Par contre, pourquoi? J'allais dire pourquoi j'ai pas de phare. Tournez à Ok. gauche. Juste un petit truc. Est-ce que j'ai mes phares de toit? Ah, mais ça m'a enlevé mes phares de toit. Alors tu m'avais dit quoi déjà? F4. F4? Enfin, t'es phare de toi ou de moi, ça dépend, mais. Régler les feux. Oula! Gyrophare. On va pas commencer à faire des excès de vitesse, hein, parce que je les connais, Ah, les. voilà, rampe de toit. Mais pourquoi ça les enlève à chaque fois? Ça, c'est chiant que ça les garde pas en mémoire. Allez, tout Voilà, que ça droit. éclaire un peu. Bah, c'est cool, tout droit. Vas-y, vert, 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 vert. Oui! C'est resté vert. Ok. Il n'y a pas de petite victoire, hein, messieurs, dames. Sauf pour canard. Ah bon? Il dit ça? Allez tout droit. Bah oui, il dit ça. Pour Merde, je canard, remets vue intérieure canard, maintenant. il n'y a pas de petite victoire. Ah, le frein parking. Alors, il faut que je sorte et que j'aille à gauche, c'est ça qu'il me dit. Bah tu suis ton Mais... GPS? Ouais, mais je suis à l'envers. Je suis un fou, moi je sors comme ça sans regarder si vraiment c'est une voiture qui arrive. J'ai fait la même. J'ai tourné à gauche et je me suis dit, oula, c'est pas parce qu'il y a personne qu'il y a personne. Bah, pour l'instant, il n'y a vraiment personne qui arrive dans mon dos, donc ça va. Allez tout Donc, droit. bah, je suis en route pour aller chercher la livraison donc de la papeterie. On remonte toute la côte ouest. Ouais, on va livrer des papi des, du papier, du papier. C'était un petit défi, voilà, que j'avais parlé entre nous, hein. Se dire, voilà, c'est marrant de se mettre des petits objectifs comme ça. Des fois, on choisit une destination.
Ah, et je trouve que c'est bien des fois de se faire un petit défi sympathique, tu sais. Après, j'avoue. Bah, vous savez quoi? Après, à partir de janvier, je vais essayer de faire des. Je vais essayer de faire des voyages un peu thématiques. Mais... Enfin, ouais, mathématiques, ouais. Mais dans des endroits. Allez tout droit. Vu qu'on va avoir plus de DLC machin. Je suis fou, moi, sur les trottoirs. On se fera un truc. Bah là, on va jusqu'au Grand Canyon. Après, ouais, on va au parc de Yellowstone. Enfin, pas Yellowstone. Si, peut-être. Si, je crois que c'est ça. C'est en Utah. En Utah, je sais pas s'ils y sont. Les montagnes, je sais plus comment ils appellent ça. Je sais qu'en Idaho, il y a la dent de. Le pic du diable ou un truc comme ça, je crois. La dent du diable. Alors, allez où l'entrée, c'est là. Mais ouais, je ferai mes. Ah non, mais je trouve que ce serait cool, ouais. J'essaierai de faire mes. Tu feras tes cours. Mes devoirs. Oh là là, je roule n'importe comment. Alors, la chariote, elle est là. T'es où, toi? Je suis en. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. En arrivance. Bon, moi, je récupère la remorque. Hein. Ouais, j'ai vu tournez ça. Tournez à gauche. Ah, oh, bah, t'es pas loin. Je suis au feu. Ah, bah. Yes. Oh non! Je t'ai fait vodka. Ouais, j'étais passé. J'ai bourré un peu pour. Mais en fait, non. Moi, je suis passé à l'orange. À gauche. Bah, moi aussi. Mais finalement, il a passé rouge au moment où je suis passé. Et vu que les flics ils sont réactifs. Vous êtes arrivé à destination. Ah, là, monsieur Peter, j'étais filé là. Alors, ma cargaison est là. Bon bah je vous attends à l'entrée. Fais gaffe de pas riper quand tu sors avec la remorque. C'est un peu vicieux. Parce qu'en plus il faut sortir à droite donc c'est un peu vicieux. Le stop qui gênait. Ça devrait t'aider. Attends, ouais. Bah, j'ai vu. T'es monté en fait. Tu dis attention de bien le prendre, mais. Ah, j'avais pas la place. J'étais trop serré. Bah, c'est pour ça que je t'ai prévenu. Parce que je savais. Je t'attends au feu rouge. Hein. Je sais pas si t'es déjà derrière. Toi. Ok. Ah. Bon, bah, c'est t'es rouge. T'es partout en fait. De trottoir. Ah, moi, ouais. Ah, tu sais que donc, je comprends que t'arraches. Je comprends que t'es arraché le. Ah, stop. Tu devrais savoir, je fais pas les choses à moitié, moi je fais ça bien. Puis on est dans le noir, j'aime pas ça. On voit plus rien, je trouve, ouais, dans mais le c'est noir. Bien. Il est 4h du matin, on va rouler et oui. Le soleil va se lever, donc ça va être cool. Oui, ça va aller vite. Non, j'espère mais c'est qu'on pas ça. Pas le... J'espère qu'on aura pas le soleil en face parce que quand il se lève. Bah non, on peut pas l'avoir en face vu qu'on remonte vers le nord normalement. On l'aura sur notre droite. Logiquement. À part peut-être certaines routes. Non, même pas, on l'aura derrière au pire. À moins qu'on tourne légèrement à droite à un moment. Ah merde, c'est 30 ici. On va peut-être se calmer un peu. Ouais, mais on monte. Oui, non mais quand c'est. Ouais, non mais avant que ça monte, moi je pensais. Ah oui, non, mais ouais. Mais on monte. Je cours un peu. On va tourner à droite. Tourne à droite, bah prends la voie de droite alors. Tenez bah attends, la droite. GPS il m'avait pas dit tournez de le faire. Droite. Il y a un feu rouge. Tournez à droite. Ah mon Jackie, il est chaud. S'il y a personne sur la gauche, tu peux passer. Quand
quand tu m'as dit ça, le feu, il était vert. Allez, voilà, je te vois dans le rétro. Il y a la ville en face. Ouais, il y a les gratte-ciel. Là, c'est quoi la limitation de vitesse? 65. Et pourquoi moi, c'est pas affiché? Moi non plus. D'accord. Ah, ça y est, 55. 55? Ouais, ça vient d'apparaître. Là, je m'insère. En douceur. Ah bah, je me suis inséré comme un... Hein, comme un chacal. J'allais dire comme un bâtard. Mais... ouais, j'ai suivi, j'ai pas fait gaffe. Alors, il y a des voitures sur la droite, j'espère qu'ils vont pas s'insérer. Je vais peut-être me changer de voie. Oh, c'est 55, mon Michel. Je me mets sur la voie du milieu parce que j'ai pas confiance. Ouais, je viens de remarquer que c'était ça. On tourne à droite. Ah ouais, putain, il y a un bus. Non, ils disent de tenir la gauche. Tenez bon. La gauche. Ah, tenez la gauche. Ouais, ça tourne après, oui, il y a une sortie avant. Ah, d'accord, oui, j'ai vu qu'on tournait à gauche, mais on prend une boucle en fait. Ouais, en fait, c'est une boucle obligatoire. C'est pas qu'on sort, d'accord. C'est le changeur. Non, petit chien, je joue avec la manette. Tu sais très bien que t'aimes pas venir sur moi quand j'ai la manette. Oula, faut freiner, c'est 40. Ouais, je viens de voir. Le GPS m'a dit. Puis c'est bien aussi. Hein. Bah c'est pas ça, c'est qu'il y a du camion, donc si tu veux t'insérer, ouais. Faire attention. Ouais, ça va, c'est de la quadruple voie. Tiens, j'ai un petit truc. Mais il y a beaucoup de camions. Je sais pas si au milieu de ton... Accident. Il y a les pilis. Au milieu, en bas de ton pare-brise, tu as un petit truc bleu. Bah j'en sais rien, je vois pas. D'accord. Parce que de temps en temps, quand il y a la lumière dans mon... habitacle. La merde, t'es à gauche. Je vois que j'ai un petit truc bleu sur mon en bas, sur mon pare-brise. Et je sais pas ce que c'est. J'ai pas souvenir de l'avoir mis. Mais j'ai un truc dans ma tête qui me dit peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est le fameux bip pour passer Les péages. C'est une possibilité, ouais. Bien que les péages, dans ce jeu... On paye en automatique. Il y en a qu'un. Oui. C'est ouvert Seattle... Non, pas Seattle, c'est... San Francisco. Voilà, contrairement à Eurotruck, où tu prends l'autoroute et tu t'en tapes des milliers et des milliers. Ah bah c'est le format français, quoi. Ouais. Tenez la gauche, ok, on reste sur notre voie. Quoique, après, il y a des... Tenez la gauche. Après, ils ont rajouté des trucs en Californie, mais c'est des... Ouais, mais c'est pour les clandés. C'est la pesée, en fait. C'est une sorte de pesée pour voir si tu transportes pas des... Des légumes, je crois, ou des... Du fruit et légumes, ouais. Il y a certains trucs qui sont pas autorisés. Ouais, certains fruits et légumes qui sont pas autorisés à la... ramener ou des clandés fruits et légumes. Ah, il paraît que c'est les pires ceux-là. Le fruit et légumes clandestin. Ah, c'est de la sale race. Ça te jute au visage comme ça sans prévenir. Ah bah la dernière fois j'ai réussi à faire rentrer des melons. Puis c'est à moitié pourri le truc, tu vois. Pas beaucoup, j'en ai rentré que deux. Ah, c'était les tiens. En fait, j'ai ramené des melons perso, mais j'ai pas le droit de les ramener en Californie. Et par chance, j'avais pris une autostoppeuse plate comme une limande. Et je lui ai dit, ça vous dérange si vous les mettez dans votre corsage? C'est pour les faire passer. Elle m'a dit, bah non, vous m'avez pris gentiment pour faire la route. Plaisir. Elle les a mis dans son corsage. Pourquoi je roule à 40? Ça parce que à ce point-là. Ouais. Moi aussi, je me disais pourquoi je roule à 40. Je croyais que j'étais resté capé, en fait. Non. Ouais, moi aussi, je croyais que j'avais raté mon. Ça monte. Sauf qu'on s'en rendait pas bien compte.
Sauf que là, mon bon Michel, ça descend. Voilà, ça descend bien là. Ouais, mais ça va, ça maintient à 56, 57, 58. Tenez la gauche, donc ouais, je reste au milieu. Ah, tu l'as. Ah, merde, j'ai oublié de te le montrer. Je sais pas si tu l'avais vu sur la droite. Pour ceux qui ont perdu, pour les camions qui n'ont pas, qui ont une trop lourde charge et qui peuvent pas freiner, t'as t'as une sorte de montée en fait pour te faire freiner. Mmh. Intéressant. Chose que j'ai déjà vue en France dans la, en promenant en voiture. Ouais, c'est toujours utile. Bah, ah, ça dépend si tu vas trop vite ou pas. Bah oui, c'est pour les camions en fait. Et quand ils sentent que ça va être un peu tendu. À droite. Oh putain. Fais gaffe, il y a la queue par contre hein, quand on tourne à droite. Là, il y a une voiture aussi. J'ai laissé passer. Tournez à droite. Par contre, attends, on va où nous? À gauche putain, ou à droite? Il y avait deux lignes, ils se foutent de ma gueule. Ouais, non, mais ils se battent de toute façon les devant, alors c'est pas trop grave. Non, mais je me suis rabattu sur la droite alors que. Moi aussi, ouais, mais de toute façon il y a une voiture sur ma gauche. Oh putain, j'avance plus. J'aurais pas dû ralentir autant. Ah bah moi ça va, je remonte. Putain, mais dégage, j'ai encore une bagnole. Ouais, quoi que pour l'instant je vais rester là. Ouais, la voiture peut douce. Déjà il fait jour. Ouais, je te dis, il commence à faire jour, ça va être cool. Tiens, hop, je vais couper mes phares, mais je vais laisser juste mes lumières. Aujourd'hui, concentré. On essaye de pas faire trop de conneries. Parce que la semaine dernière, la dernière session, là, tu t'étais lâché. Ah bah oui, mais fallait. Pas toujours les mêmes. Ouais, c'est ça, ouais. Par contre, ouais. Michel, normalement, il est là. Bah, moi, je suis droit devant. Non, c'était sur mon... Je te vois derrière. Mon sample. Ah. Si on sait jamais. Comme on dit, mieux vaut l'avoir sous la main que... Parce que j'avais des genres de trucs... J'en ai une pour toi. Ah, c'est gentil. Qui est... Mon con. Non, qui est pour toi, mais qui est... Indirectement. Moi, ce que je vois, c'est que pour 2 secondes, je vais te botter le cul. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. J'ai qui veut me botter le cul. Non, c'est un peu plus grave, c'est ça. Je mets les pieds où je veux, Little John. C'est souvent dans la gueule. Bon, j'ai coupé avant la musique, mais... Je devrais le laisser jusqu'au bout. Non, après t'as la musique qui fait... Ta-na-na. Ah, j'ai ralenti comme un... Quelqu'un qui a ralenti. Ah, tiens, ok, je me suis fait 2 super flics. Attends. En parlant de coup de pied dans la gueule. Je vais sortir. Pourquoi? Parce que... Un hôtel ici. Je vais mettre du coco. Il y en a... Ah, mais pas... tu sors pas là? Si. Ah, mais il y a une station ici? Ouais. Bah, t'aurais dû attendre la suivante. Moi aussi, j'en avais besoin. Ah, bah, je savais pas. Je croyais que t'es... Généralement, tu pars... Tourner à droite. Ah, non, mais j'ai pas vérifié, là. Tu viens de me le dire. Je suis en dessous de la moitié. Comme on va faire 1000 miles, ouais, c'est peut-être... Il en reste 900. Je suis pas sûr d'aller au bout, ouais. Appuie sur point d'interrogation. Et regarde, et tu peux dézoomer avec tab. Donc essaye de voir aller où la suite. Bah, il y en a une pas loin, il n'y a pas de grosse sortie. C'est une collée, je pense. Donc au pire, je vais m'insérer. Là, il faudrait que j'arrive à m'insérer entre les camions. Tournez à droite. Ah putain, il y a accident. Il y a des panneaux. Je sais pas s'il y aura un feu rouge. Quelque chose, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Parce qu'il y a beaucoup de panneaux, ils disent 55. Bon, c'est bon, ça on y est. Oh, wow, voie de droite hein, quand il va. Oui, comme vous avez pu le voir, hein, mesdames et messieurs, j'ai refait la connerie. Ah, ça va, la voiture me laisse passer. Je suis rentré, mais j'ai pas.
J'ai pas pris le bon truc. Bon, c'est cool, ça m'a arrangé d'aller sur la voie de droite. C'est cool, par contre l'IA m'a laissé passer cette fois-ci. Vous savez quoi, je vais sortir comme un gros porc. J'ai laissé passer le camion et les voitures derrière m'ont laissé aller à droite. Comme un gros sale. Ah, faut que j'aille repeser. Ah, tu m'attends là-bas ? Préparez-vous bah ouais. À tourner à c'est gauche. Con que la station essence soit pas au même niveau, quoi. Tournez à gauche, puis tournez à gauche. Attends, tourne à gauche ? Ouh là là ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai failli toucher un de mes comparses. Un de nos amis routiers. Ça m'étonne pas de toi. Il n'y a personne, je mets mon clignotant et je m'insère. Il y a la voiture de la police. Mais non, je transporte pas de drogue, qu'est-ce que vous racontez? J'arrive, de toute façon ils vont sûrement me demander de passer à la pesée. Oh, c'est pas vendu. Et au pire, au moins tu m'attends à la pesée, quoi. Bah, je t'attends à la pesée, là, j'y suis. Ouais, oh, j'ai commencé à mettre des trucs pour... Je m'insère parce qu'en fait, la station d'essence, elle est juste derrière. Elle est genre 300 mètres derrière. Donc, je vais y aller, je t'attends à la station essence. Ok. Comme ça, on gagne du temps. Oui. Vu que toi, t'as déjà fait le plein, bah en plus, il y a même eu une pesée à la station essence. Bah, ils auraient pas pu me mettre là-bas. Ah oui, c'est ça. Voilà, là, j'y suis presque. C'est vrai que j'avais ce... J'ai mis celui-là aussi. Ouais, c'est environ 1 mile, la sortie pour la station essence. Et tu vois, elle était plus simple à prendre. C'est une aire de repos, donc c'est instant. Même pour sortir, je pense que c'est moins galère. Ah alors, ouais, ils me disent de pas passer à la pesée. Ils me disent que j'ai pas besoin de passer à la pesée. Ouais, je te l'avais dit que t'en aurais pas besoin. Voilà, je mets du coco comme ça. Ah, ça fait du bien de boire un peu. Eh, 500 litres, hein, quasiment pile. Le convoi Jackie et Michel va bientôt arriver au niveau de la station service. Merci à tous. Pas moi. Bon, je t'attends à la sortie. Bah, j'y suis, je suis là. Tu peux. Vas-y, insère-toi. Vas-y, pénètre. Ah ouais, je t'entends. Je te vois pas, mais je t'entends. Ah oui, je te vois arriver. Bon, bah, je pénètre. Ça a l'air d'être safe. Ah, voilà une voiture, mais sur l'autre voie. Non, c'est moi. Ah, c'est toi. Il vient comme... Ah ouais, comme un gros taré. Ah non, je sais pas, c'est toi qui démarre à peine, je suis pas... Ah oui, c'est parce que t'es... Oui, t'es pas rentré dans la station. Bah oui. Non, c'est parce que j'ai mal lu le plan quand j'ai vu où t'étais. Voilà, je suis à 55. Ah, San Francisco. S'éveille. Je savais qu'il allait chanter. Ah, t'as commencé à chanter. Commence pas à me la faire à l'envers. Allez, tout droit. Alors, en même temps, je remonte vers le nord. Pourquoi tu veux que je tourne à droite? Nous irons jusqu'à San Francisco. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iseo, Antiano, Imino, enfin je connais pas la suite. Ah, j'avoue que je m'en rappelle plus, ça fait tellement longtemps. En plus il dit des trucs, il dit des termes marins, c'est bon. Fais gaffe, danger. Oula, je freine.
Ah oui, j'ai vu un triangle. Haute gauche. D'accord, je décale, je décale. Ah oui, il y a un avion qui s'échappe. Je décale. Oh oui! Vous avez vu ça? Un avion, messieurs, dames? Le mec a eu un problème technique et il s'est posé sur la route? Ben, The Dome. Non, mais il s'est cru dans... C'est Under the Dome. Il y avait, en fait, il devait y avoir un truc, il se l'est mangé. Oui, bah dans The Dome, il s'est pas posé. Hein. Il s'est... Non, j'avoue. Vas-y, moi, je fais du karting. Ça va, Kenworth? Bien ou bien? Kenworth est demandé à l'accueil. Par contre, tu l'as trop serré, il a freiné. Il s'est arrêté sec. Bah, j'ai mis un petit coup de pression. Allez, quoi. Tout droit. Ah, rien de méchant. Tout de suite. Oh, c'est... Il est chouchotte, Kenworth, ça. Ouais. Bah, en même temps, il t'a reconnu, hein. Bah justement, il sait que parce je l'ai que pas touché. Je suis sûr qu'ils ont un détecteur. Non, ils ont une CB sécurisée. Hein? Y a Michel qui arrive dans le coin là, faites attention, il y a Michel, je l'ai vu, la station service. Le mec il disait putain vas-y bourre, faut que je me allez, casse. Tout droit. Et puis finalement ouais, tu l'as croisé, il a dit je freine, il est à côté de moi et je freine. Il va taper. C'est pas les autotamponneuses ici. Les mecs, faites gaffe, il y a Michel qui est en route, faites gaffe. Oups, j'ai trompé de canal. J'ai quitté un salaud. Allô. Il défend son pote. Jackie n'est pas là pour l'instant, veuillez laisser un message et rappeler ultérieurement. Merci. Salaud. Comment ça se fait qu'on est tous les deux à 55 et tu avances plus vite que moi? Je suis à 56. Ah, voilà. Monsieur ne respecte pas les limitations de vitesse. Si, je suis dans la limitation, c'est gris. T'as le droit oui, à... Oui, bah la nuit sont... aussi, hein, tous les chats sont gris et... Excuse-moi, pour moi, tous les chats sont noirs la nuit, puisqu'on voit tellement rien. Accident, droit devant. Attention, Michel a encore fait un accident, droit devant. Non, ce serait des travaux, il semblerait, d'après les panneaux indicatifs. Attention, Michel a fait des travaux devant. Il a tellement fait le con sur la route qu'il a besoin de faire des travaux sur la route. Roger. Je suis jamais passé ici, c'est faux, monsieur. Rien à voir avec tout ça. Roger. Roger comme les biscottes. Non, c'est le terme. Roger. Copy that. Non. Allez tout droit. Ouais, un jour, faudrait faire un épisode spécial américain. Tu feras le texan et je ferai le comment on dit ça? Le redneck. Ah bah moi dans le Montana, mon petit gars, je te dis pas, hein, les animaux, il y en a perte de vue. Un Quakers. Je te ferai le Quakers. Non, pas le Quakers de Green Bay. Tu sais quoi? Je rêve d'un jeu où il mélange American Truck Simulator, Euro Truck, Farming Simulator et tous ces jeux un peu... Un jeu comme ça. Genre comme American, mais tous les jeux, mais allez, en ensemble.
vous en demandez trop, monsieur. Tu te lances, entre guillemets, t'as ton perso. Et vue première personne. Grande map comme American et tout ça. Et tu choisis, soit tu veux faire. On sous-comprendrait que c'est GTA vu FPS. C'est ça. On sort à droite. Tenez la droite, puis tournez à droite. Oh, j'ai pas fait que de boisson. Tournez j'ai à freiné droite. À temps. Ça ferait de la vie, ce serait. Ouais, mais bon, dans GTA, viens c'est bon. Là, à droite, vers le champ là, avec le tracteur. Mais ce sera un vrai Jean. Un Quakers. Bon, par contre. Tu veux faire second live en fait des Quakers. C'est. Ouais. Il y aurait pareil, il y aurait les mecs qui livrent des marchandises en bateau. On appelle ça un MMO quoi. Ouais. Ouais. Sauf qu'au lieu d'être de la baston, ce serait de la vie de tous les jours. Pas forcément parce que. Pas forcément de la baston parce que le terme MMO veut dire massivement multijoueur online. Donc oui, ce que je veux dire c'est que la plupart des MMO ça tourne autour de la baston généralement. C'est les MMO RPG qui tournent autour de la baston. Oui voilà si tu veux. Bah tu m'as compris. Ah non puisque je t'ai repris. Mais oui. Oui, non, ça. Oui, oui. C'était pour apporter une. Pour faire précision chier. Pour les gens qui écoutent voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui dès que tu dis MMO ils disent oui machin c'est n'importe quoi ils sortent ce jeu c'est même pas MMO mais ben, si c'est un massivement multijoueur online c'est pas ben un oui. WoW c'est pas un multi c'est pas un massivement multijoueur online roleplay in gaming ou un truc comme ça là. Roleplaying game, ok. Jeu de rôle littéralement. Il y a Jackie derrière. Ouais, bah, c'est con, je suis pas du bon côté, je peux pas passer ma tête par la fenêtre. Tiens ta gauche. Bah, c'est bon, je tiens ma gauche. J'essaie juste d'attraper des bonbons. Oh oui, ouais. Et vous savez quoi, mesdames et messieurs, regardez bien. Pourquoi tu roules dehors? Pourquoi tu roules en dehors là? Ouais, j'ai pas sur confiance. La route. Et on va essayer de voir. On va essayer de voir Michel. Regardez, c'est Michel. C'est Michel dans son camion. Bon. En même temps, je peux pas regarder à gauche. Mais conduire correctement, qu'est-ce que t'as foutu, je n'en vois plus. Bah j'ai tapé. j'ai tapé le. Tu sais dans les films quand le mec il hésite à sortir à droite ou rester sur la voie rapide et il y a des connes avec des poubelles remplies d'eau. Ouais les barils. Bah, là il y avait ça mais il n'y avait pas de poubelle remplie d'eau. Oh là là. J'ai tapé sur le truc du milieu. Attends, t'es en train d'arriver là ou pas? Bah oui, je me suis pas retourné. Par contre. J'ai enculé mon camion. Comment ça? Ah oui, t'as dû prendre rouge. Ah, il va s'arrêter. Pas tout rouge, mais attends. Non, t'as bien tamponné. Merde. Je me suis frémuré. Eh ben voilà, tu vois. Alors j'ai du mal à voir parce que je dois porter des lunettes, mais je. Ouais, il y a un accident. Je suis à 26 ou à 28%. Sur le camion. Il me fait faire des quadrilles, con. Mais non, c'est pas un accident sur le côté, c'est des travaux. Donc, ouais, c'est ce que j'ai dit après. On fait ça. On fait tab. Et je vais faire une sortie. Bah, dis-nous. Préviens, quoi. Bientôt. Passe devant, pire. Allez, je ralentis. Non, pas besoin, je suis derrière toi. Je suis en train de te rattraper. Dès que tu peux sortir, tu sors. À gauche. Quoi à gauche?
Oui. Il fout ma gueule à droite. Bah si. On y arrive en même temps. Bah si pour sortir il faut aller à droite. On sort bah, à droite. Il faut forcément aller à droite hein. Mais moi je sors à gauche. Enfin oui non mais je dois aller à gauche. Mais oui. On sort à droite et après on va sur la gauche. D'accord. Bah oui, tu peux pas sortir de l'autoroute par la gauche. Ça dépend. Quoi, on est direct en ville ? Attends, comment ouais, ça marche ouais. ici ? C'est là, on non, non, on n'est pas direct en ville. La ville est sur ouais, les côtés. Tu peux sortir là. Là, tu vas pouvoir sortir. Là, je sors. Devant. Là, je rentre dans Sacramento. Voilà, c'est ça. Et donc là, je tourne à gauche. J'ai freiné, hein. Fais gaffe, c'est une voie qui descend, ça va vite. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Alors, je ne vois rien. Et je vois rien, donc on va faire une sortie extravéhiculaire. Vas-y, y'a personne. Mais non, y'a personne, vous voyez. Je regarde à droite, moi. Voilà, là y'a une voiture qui arrive. Mais je suis pas ça. Hein. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. C'est où que tu veux aller ? Aux réparations. Tournez à droite. Recherche d'un nouvel itinéraire. Attends. Bah, j'en profite que je suis au feu rouge. Bah c'est cool, je suis jamais venu ici. Je vais tourner à gauche. Vas-y, pas de soucis, ça me va. Tourner à gauche. Il y a un point d'interrogation. Je voulais voir ce que c'était. Je crois que c'est un concessionnaire. Oh bah c'est bien ça. Toujours bon à prendre. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tiens, je vais me prendre dans la banque. Par contre, c'est là que je dois tourner ? Ouais. Non, la suivante. T'es sûr ? Tournez à droite. Au feu. Bah, je pense, ouais. Je vois rien à droite. Il y a un truc de réparation, c'est le con. Ouais, ah oui, dans prends... les lumières, tu peux réparer, oui. Il est derrière. Oh, c'est Mac en plus, je suis à la maison. Faire demi-tour dès que possible. Bah oui. Si, il est là. Hop là. Attends, je vais voir si je dois pas réparer aussi, parce que avec tes conneries, là... Comment ça, avec mes conneries ? Bah, tu m'as tellement fait rire que j'ai tamponné, alors je sais pas si j'ai pas vu si j'ai eu des dégâts. Normalement, non. Je peux passer à travers toi, il me semble. Ouais. Alors, réparation. Ouais, ça va. Non, j'avais pas grand chose en fait. 1% juste les pneus, j'ai pas pris de dégâts. Franchement, je m'en étais bien sorti en fait. Fais bien un arc de cercle hein, et gère bien. Ah parce ouais, que... j'ai capté ça, ouais. Tu me dis quand t'es derrière moi, je t'attends. Bah, j'arrive, je suis en cours. Fais gaffe parce que là c'est pas la sortie je crois. Non c'est entre les poteaux. Ouais ouais ouais. Tourne un peu sur ta gauche. Pour te faire passer, voilà. Bon. Il n'y a personne. Je traverse. Tournez à gauche. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Je suis au feu. Bah moi aussi, monsieur. Putain, par contre, j'ai mordu toute la pelouse avec la remorque. J'espère qu'on pourra avoir le train aujourd'hui. À gauche. Pareil, quelqu'un qui a le... Tourner à gauche. Il y a un enfant l'a raté. Quelqu'un qui dirige le train aussi. Qui livre des marchandises.
C'est vicieux ce tournage à gauche. Ouais. Et tu vas voir que la rentrée est encore plus bizarre. Il y a une de ces montées à un moment donné, les mecs auraient pu un peu niveler, mais... Non, non. Bah comme ça t'arrives pas trop vite en fait, se sont dit. Et comme t'as... c'est pour ça que t'as ta voix d'office. Je pense, hein. Par contre, faut que je me mette sur la voie du milieu. Bah moi je me mets dès que la voiture elle passe. Parce que la voie elle te fait sortir en fait. Bah oui. De toute façon, il te l'annonce sur le GPS. Voilà. Je me suis mis à 45 pour t'attendre. Moi qui m'étais mis à 65 pour te rattraper. Tu peux accélérer. Derrière. Ah ouais, tu te mets à droite toi. Bah oui, le GPS me dit de me rabattre, je me suis rabattu. Ok, bah il m'a rien dit. Mais je vois qu'il dit à droite, ouais, je sais pas ce que ça change en vrai. Ouais, non, c'est parce que normalement quand tu roules, tu dois... Ah bah. Bah non, tu vois, carotte. Mais normalement quand tu roules, tu dois toujours rester sur la voie de droite, la plus à droite possible. Ouais, normalement. Et donc oui, donc le mélange de Farming Simulator, de pareil, aussi un jeu de... Comment on appelle ça? Un jeu de travaux aussi. Ouais, faire des conduire des bulldozers. Ouais. Et tu viendras péter des voiries. Bah tu fais la mission qu'on te donne quoi. Et il y aura des policiers aussi. Non, les policiers tu le mets par l'IA parce que ça sert à rien d'être policier. Oh bah si, tu peux, t'auras des trucs, tu pourrais mettre des contraventions et tout pour ceux qui vont trop vite. Coup de giro, tu ferais des patrouilles. Ouais, sur les highways, ouais, peut-être. Ouais, t'auras ou les motards, tu vois, ou je sais pas, t'auras un détecteur de la vitesse des non-PNJ, voire des PNJ aussi. Hein. Ouais, les PNJ aussi. Pas. Pas. Genre une IA genre un peu folle pour certains. Histoire qu'il se passe un peu quelque chose s'il n'y a pas de joueur dans ton coin. Pourquoi tu ralentis? Il n'y a rien devant toi. Mon con. Ouais, mon con, ouais. Accélère, je te tamponne. Voilà, c'est comme ça qu'il faut leur parler. Après, c'est peut-être une phobie qu'ils ont. Tu sais, des fois, t'as des conducteurs, quand il y a un camion derrière eux, ils sont pas bien. Ouais, tu leur fais peur. Ça m'étonne. Arrête pas. De freiner pour que je laisse une distance de sécurité. Ça devient relou. Bah au pire on va sur la voie de gauche. Hein. Il s'est mis sur la voie de gauche. Et il se remet sur la voie de droite. Vas-y, va à gauche. Il n'y a personne derrière. Il y a une voiture qui arrive, mais je te protège. J'ai mis mon clignot. Bah moi j'avais fait barrage. Tu sais que ça marche comme ça les convois dans le jeu, les gros convois exceptionnels que tu fais avec la police. Il y a une voiture qui est devant toi, une voiture qui est derrière toi. Sur les côtés. Quand il faut se rabattre sur la gauche, t'as la voiture de devant qui s'abat, la voiture de derrière qui se rabat pour faire bouclier, et toi après tu peux te rabattre. Ouais bah choisis une voie toi. Bah ça y est, je voudrais bien prendre celle du milieu, mais ça vibre quand je vais dessus. Et pourquoi je... J'avance. Je suis déjà au-dessus de la limitation de vitesse.
Je suis 56. Regarde, il y a le train à droite. Ouais, je le vois. Comme par hasard, juste quand j'en parlais. Ça sera un vrai joueur. Regardez, le train est là. On l'entend faire cliquetis, cliquetis. Le train. Bon, après, c'est un rêve. Voilà, ce serait un truc ultime, quoi. Peut-être que ça existera un jour. Hein. Mais bon, ça demanderait quand même un serveur monstrueux, je pense, quand même. Parce que s'il n'y a pas assez de gens dans les rôles différents, qu'est-ce que tu fous? Bah, tu mets des PNJ à la place. En fait, oui. En fait, quand tu prends ton job, tu... Celui d'un PNJ. Voilà, t'enlèves la place d'un PNJ pour toi, pour que toi tu puisses le faire. Et pareil, dans le truc des camions comme ça, tu pourrais, tout comme dans American, avoir ta propre entreprise, si t'as assez d'argent, engager des vrais gens, des PNJ, et donner des salaires, les envoyer sur des missions, des trucs. Toi, tu reçois plein de missions, tu les mets dans un ordinateur ou sur un tableau, machin. Et les mecs, ils viennent, ils regardent, bah tiens, il y a cette mission-là, cette mission-là, cette mission-là, à tel endroit. Voilà. Il pleut. Et tu dis, bah je prends, donc tu loues des camions, après tu pourrais avoir ton propre camion. Tu pourrais avoir ton propre camion, tu pourrais acheter, je veux dire, ton propre camion, tu pourrais. Franchement, je préfère encore la pluie que le noir dans le jeu. Ah oui, vous aussi. J'aime bien quand il y a l'orage. Tu vois, la dernière fois, je pensais à un jeu à la Ready Player One. Ouais. Où tu crées un perso et tu peux jouer à plein de jeux différents. Ah, je dois aller. Je dois me faire peser. Alors, moi, j'ai pas besoin, mais je te suis. Et. Tenez la gauche. Bah en fait j'ai vu qu'il... Oh merde. Attends, bah non, je vais aller à droite. Et j'ai vu que ça existait entre guillemets. Ça s'appelle Core. Peu importe, je sais pas si tu connais. Un nouvel itinéraire. C'est sur Epic, c'est gratuit. En fait tu vas dans un... T'as un bonhomme que tu peux customiser. Tu vas dans un lobby. Attends, elle est où la pesée? Elle est là. Elle est sur la droite. Ouais, c'est bon. J'ai pas vu qu'il y avait un terre-plein central. Ah putain! Recalcule. Il y a quoi au milieu? Un camion qui avance, dites-moi. Ouais, et il y avait une voie aussi. Il était sur une voie où je pouvais me faire peser. Et j'ai coupé le terre-plein central. Et en fait, tu vas dans des... Tu peux jouer à des jeux, des ersatz de jeux qu'on connaît ou des jeux que tu connais pas et qui sont des jeux créés par la communauté. Oh là là, comment il a coupé la voie. J'ai pas vu s'il y avait une voiture. Bah je viens de te le dire, en plus je te l'ai annoncé. Ah bah j'ai pas fait gaffe. J'étais en train de t'expliquer. Je t'ai dit, fais attention, il y a une voiture qui arrive. J'étais en train de t'expliquer le concept de corps. Mais je crois que ça me dit vaguement quelque chose. C'est sur Epic, c'est gratuit. J'ai essayé. Effectivement, c'est pas mal, mais tu fais beaucoup les mêmes jeux en fait. Ah bah oui. Allez tout droit. Enfin après ça dépend les gens, mais moi il y avait un jeu genre t'as une bille. Et tu dois faire un...
c'est comme les billes là, que des, les courses de billes. Ouais. Bah là c'est pareil, mais t'as c'est une course de billes où toi tu joues le rôle d'une bille et tu dois faire du des sauts de plateforme, une course mais avec des plateformes, tu sais, tu sautes et tout ça. Donc ça c'est pas mal. Puis après t'as le truc où t'es un bonhomme et tu dois monter toute une tenez tour la gauche. Qui plus tu montes plus ça devient dur à monter. Avec des courses, ouais, c'est du plateforme, quoi, c'est du platformer, que tu sois en bille ou en vrai. Et ouais, c'est cool. Après, il y a d'autres trucs, mais il y a des trucs, c'est pas top. Après, t'as du FPS, t'as des trucs comme ça. Ouais. Ouais, c'est pas le jeu de la vie, quoi. Non, mais c'est un jeu gratuit et où tu peux aller dans des mondes où c'est des jeux gratuits, quoi. On approche de l'Oregon, non? Je pense, ouais. Je vérifie ça. Ah. Ouais, ouais. Oh, ouais. Oh, on se rapproche, ouais. On s'y rapproche. En même temps, il reste que 475 miles, donc... Je sais même plus, on a fait quoi? Los Angeles, Portland. Ah oui, Portland. Aïe. J'ai voulu mâcher, j'ai claqué mes dents. Ah, j'ai vu que t'as frotté aussi. Non, ça va. Oh, regardez. C'est bon, tu vous allez me dire, ouais, c'est cool, c'est beau, c'est de l'eau, c'est un pont. Mais j'aime bien. Et il y a un bateau. C'est de la flotte. Oh par contre, oh là là, j'ai failli taper, j'ai fait n'importe quoi. Oh là là, le danger public. Bah, en même temps, j'étais en vue troisième personne, je regardais pas droit devant moi. Et quand je me... Déjà j'ai coupé, ah, j'ai coupé la route à un... On est pas du tourisme, mon Jacky. J'ai coupé la route et une voiture, parce que je suis passé sur la voie de droite à la voie de gauche. Et quand je suis revenu à moi, juste en face de moi, il y avait un camion qui était en train de doubler. Bah oui. Je suis un fou, moi. Un déglingo. Un fou malade. Un fou malade dans ma tête. C'est un fou dans sa tête. Ah, et une voiture en panne. Ouais. Tu veux pas l'aider? Non, c'était un garçon. Je suis malade dans ma tête. C'est un fou dans sa tête. À l'ancienne. Comment ça va les copains routiers? Mais avec des camions ici, c'est pas des routes pour les voitures, elles tombent en panne, c'est pas solide. Bon, ça roule bien en tout cas. Ouh là là. Tenez la gauche. Bon, t'inquiète pas, je la tiens, ma gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as foutu? Il me dit pas que c'est... Arrête, il va me faire des conneries. Qu'est-ce que t'as foutu? Je t'ai vu passer entre les trucs. T'allais pas te mettre à gauche. J'ai t'allais rester à droite. Je tenais la gauche. Oh là là. Oh là là, il fait n'importe quoi le mec. Putain, tout à l'heure je roule comme un professionnel et deux fois tu fais peur. Des conneries. Franchement, tu vois pas, mais tu fais trop peur. Moi je roule derrière toi et à côté de toi. Tu as lag. Non, c'est pas le moment. Non, pas des lags. Non, recommencez pas le jeu. Je t'ai déjà vu de faire des rollbacks alors. Voilà. Non, mais pourquoi ça le fait d'un coup? Ça allait très très bien. On refait pas comme la dernière fois. Tout se passe bien. Monsieur a pris ses distances. Non. Non, la dernière fois ça m'a coûté bah comme toi, j'ai tapé le truc en plein milieu. Ça t'a coûté bonbon Ouais, grave, ça m'a coûté bonbon. Le mec il roule même pas sur la route. J'ai peur de toi. Y'a de quoi? Je comprends pas, j'étais à 55, je suis en train de te mettre une race alors que t'avances plus. Bah c'est non. Bah non. Ah oui, ça cause du lag, t'as ralenti d'accord. Bah oui, je suis pas un fou, monsieur. Lui, il m'a cru pour un malade mental.
Tu sais, des fois... La dernière fois, tu m'as conseillé, tu m'as dit, freine. Bah, je tente, tu vois. Mais ouais. Le truc, c'est que ça me dévie toujours à gauche ou à droite. Des fois, Il y a un camion devant. La frontière, hein... Le camion. C'était nul. Oh, putain. Qu'est-ce qu'ils foutent? Bah, ils doublent pas. Ils roulent... Bah non, je double pas, ils roulent juste les uns à côté des autres, c'est pas... Ah, mais ils avancent pas, surtout. Ils roulent à 40, le mec devant. Il est fou, lui. Ouais, va à droite. C'est ça, ouais. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as fait ralentir, l'autre. Il s'est arrêté. Ouais. Bah, je m'en fous, moi. T'as failli toucher. Bah, ils ont qu'à savoir conduire. Ah, là, et le deuxième, allez. Allez, c'est bon. Lui, je l'ai visé. Voilà, mets-toi sur le bas-côté. Attends la police. Je fais pas de queue de poisson, mais c'est tout comme. Ouais, c'est bon, j'ai regardé sur le rétro, il y avait de la marge. C'est des chouchottes. Et il y avait du Homer aussi. Bah oui, il y avait grave de la marge. Allez, on se prend des petits bonbons. Arrête, j'ai même pas de petits bonbons. Bah moi j'ai bientôt tué le paquet. Bah ouais. Un paquet entier de réglisses. Ah, c'est des réglisses en plus. Ah ouais, j'adore ça. Moi j'ai plus rien, c'est la dèche. Oh putain, moi c'est blindé. J'ai plus... Ah si, j'ai encore les... J'ai des lions white si tu veux. J'ai des bonbons d'Halloween. Si ça te tente. Les chocobons ou les... Ah non, c'est des bonbons... Enfin, pas dégueulasses, mais c'est des bonbons pas ouf. C'est pas ouf. Les bonbons dégueulasses, qu'il nous dit. Bah c'est pour Halloween, c'est pour offrir aux gens qui vont éventuellement venir déguiser. Bah tu leur jettes des caillasses. T'as des graviers dans ta cour. Bah non, j'ai une cour tu avec... Tu manges les bonbons et tu mets les graviers dans les paquets. Ouais, comme une année j'avais mis des lames de rasoir dans les chewing-gums. Voilà. C'est fou. Est-ce que tu vas la peser? Ouais, je dois aller la peser. C'est fou. Putain, mais c'est véridique, monsieur dame. Attends. Il y a eu une histoire où il y a une dame qui mettait des... Ralentis, hein. Je le coupe. D'accord. Il y a une histoire où une dame elle mettait des lames de rasoir dans des bonbons Halloween et elle les offrait aux enfants. C'est... Oh, le sagouin. Comment il arrivait comme un fou furieux. C'était 15 normalement. Tu lui dis de ralentir, le mec est... C'est vrai, faut que je roule à 15 parce que la dernière fois j'ai roulé plus. Et il y avait un flic qui m'a dit... Bonne pioche! Bah oui, il y a les pélisses des fois à la pesée. Grâce à toi. Je vais faire mon bonus de Noël. Je fais du quota. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Appuyer sur je sais pas quel bouton pour dormir. Bah, je veux pas dormir. J'ai eu la même, mais j'ai pas eu le temps de lire. Bah en gros, il dit appuyez sur tel bouton pour éteindre votre moteur. C'est parce qu'on était à côté du parking où on peut dormir. Butter, s'il fait encore des queues de poisson en voiture, hein, quand même. C'est pour te laisser passer. Hein. Comment ça, pour me laisser passer? Bah, en fait, comme ça, la voiture s'arrête et tu peux passer. Non, elle a continué. Elle est entre nous deux. J'ai pris la voie de gauche parce qu'il y a une tortue. Ok. C'est ce que je vois, il y a deux bagnoles. J'arrive pas à savoir s'il pleut encore. Ouais, il pleut encore un peu. Et c'est 60. Non, c'est fini. Moi, je suis sur la voie de gauche. Merde. Ouais, ça peut s'arrêter. Non, c'est pas là. Ah non, c'est sur ma manette. J'ai arrêté mes trucs parce que c'est fini. Grâce au soleil qui brille à nouveau. Oh, c'est joli ici. Il y a des dessins sur les murs. Des graffitis? Ah merde, ça repasse à 55, ouais. Ils font chier. Non, c'est pas des graffitis, c'est des dessins de... Avec des dessins... Des femmes à poil? Non, c'était des dauphins, je crois. On est pas en Floride ici, je crois où. Ah, bah ça y est. Nous sommes en Oregon.
Maintenant, quand on parle de dauphin, je pense à la fin des Dents de la Mer 3. Quand il y a les dauphins qui sautent, là, tout dégueulasse. Des dauphins qui sautent? Ouais, dans le truc juste avant ou quand ça lance le générique, je sais plus où le... Ils font... Il y a genre des dauphins qui sortent de l'eau. Peut-être, mais je me souviens plus. Mais c'est fait par ordi dégueulasse, c'est ignoble. Ah, c'est ignoble. Déjà, la fin du film en soi est ignoble. Ils font sauter le requin avec je sais plus quoi, une grenade ou je sais plus ce qu'ils lui mettent dans la gueule sous l'eau là. Une mine ou je sais plus. Bah, dans le 1, c'est une bonbonne d'oxygène. C'est une bouteille d'oxygène. Ouais. Qui fait sauter. Bah, le 3, c'est avec le parc d'attraction. Dans le 2. Je crois que c'est le 2, ils lui mettent ouais, une... Ah, il y a un hélicoptère juste au-dessus de nous. Ouais. Ah, oh là là, freine. Il y a la police. Son intervention. Bah voilà d'où, pourquoi il y a l'hélico. Ah, c'est une course-poursuite. J'ai failli taper la police. Ah bah ouais, moi aussi. Et dans le 2, si je dis pas de bêtises... Il électrocute avec un câble. C'est ça, ouais. Câble sur l'île, le 2. Avec les jeunes, là, il y a une île avec le centre de recherche ou je sais plus quoi. Aucune idée. Alors là, j'ai plus tous les souvenirs. Le 3, je me souviens plus. Et le 4, bah, le 3, je te dis, c'est le parc d'attractions. Le 4, le souvenir que j'ai, c'est la vieille avec son bateau. Attends, tu te rappelles pas du. C'est pas dans le 3 où il y a le tunnel avec le requin, là, la vitre qui se fêle et tout, là? Mélange ça pas, t'a pas marqué ça. Tu mélanges pas avec Peur Bleue? Non. Dans un des Dents de la Mer, il y a le truc où ils ont peur de. Je sais plus c'est qui, c'est une famille ou je sais plus, il y en a un dedans qui est la femme, je crois, ou je sais plus. Ah, c'est pas le requin, il est dans un. Ouais, oui, et puis il tape la vitre. Il y a un tunnel où toi tu peux passer sous l'eau et. Ouais. Comme dans les aquariums, les grands aquariums. Les gars, faut changer de voie. Ouais. Fais-le avant parce qu'il y a des voitures derrière. Oh, bâtard! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, le danger public! Bah, j'ai voulu passer, en fait il y avait une voiture, j'ai voulu aller sur la voie de gauche et il a déboîté devant moi. Enfin, j'aurais dû mettre mon clignotant en même temps. Bah, déjà oui. Mais il a déboîté d'un coup, donc je me suis remis sur la voie de droite et. Bah, comme j'allais si vite, j'ai dû freiner. Si tu veux prendre la voie de gauche, vas-y maintenant. Je non, te couvre. Vas-y, prends. Bah, je suis dessus moi. Bah, vas-y. C'est pour prends. Ça que je te dis, je te couvre. Je te suis. Mais oui. Parce que sinon je vois pas quand tu te plantes. Bah je me plante pas, je signale. C'est toi qui fais que des conneries depuis tout à l'heure encore. Hein. Donc justement, moi je veux voir. Oh là là, le mec qui fait des queues de poisson. Qu'est-ce qu'il fait? Bah quoi, on parlait de requin, je fais des queues de poisson, c'est logique. C'est ce qu'elle me veut la voix Sky. Non, moi j'aimerais bien me refaire là, c'est les Sharknado. Ah, c'est 60 toi ici. Parce qu'elle met un peu. Ouais, tu les as vus? Ouais. Oh, je te les conseille. Pas forcément pour le premier, mais je te jure que plus t'avances dans le délire et plus c'est oufissime. Attends, moi j'en ai vu hein, des. Non, mais t'as Sharknado Cross. Comment ça s'appelle? Retour vers le futur. Et tout ça. Non, c'est pas du tout le même délire là. Là, c'est parti vraiment en vrille. Je te jure, je te les conseille. Non, mais faut que je les vois. J'ai vu quoi? J'ai vu. Les requins. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des requins. Les requins volants là? Non, il y a des requins, mais ils arrivent à nager dans le sable. Ah oui, non, dans le sable, voilà, c'est ça. Il y a les requins qui nagent, et d'un coup, ils décident. Bah non, nous on peut aussi nager dans le sable, hein, qu'est-ce qui se passe? Donc, t'as les gens qui sont en train de dormir sur la plage, au soleil, et t'as le requin qui vient d'en dessous et il le bouffe. Et j'ai vu quoi? J'ai vu un requin zombie. Ah, le requin zombie. Le requin, il est défoncé. Hein. On voit ce qui s'arrête sur le côté et tout. Et est-ce que t'as vu les films aussi, le requin à trois têtes, le requin à quatre têtes? J'ai vu le requin à trois têtes. Ouais. Cinq têtes, je crois, ça va. J'ai vu le requin à trois têtes, ouais. Ah, je les ai tous vus, moi. Il y a 2 ans, je crois, à peu près.
C'est des bonnes barres de rire, ça aussi. Le Covid, il a pas fait que du bien. Ah bah oui. Mais ouais, je me suis fait l'intégrale Sharknado. Ah, moi j'ai adoré. Hein. Le 1, c'est peut-être le moins bien, parce que c'est celui qui se prend en sérieux, alors que c'est un gros nanar. Attends, mais les autres, ils ont compris Sharknado, qu'ils disent du nanar. Je crois que j'ai vu... Alors, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai vu... encore, j'ai encore pesé. J'ai vu des requins... Ah, moi aussi. Dans une tornade. C'est ça. Mais je te jure, ça vaut le coup. Ça va super loin, le truc, le délire. En fait, c'est pas les requins qui étaient dangereux, c'est la tornade. La tornade, elle chope des requins, elle te les envoie dans les bâtiments, machin. Ah non, c'est pire que ça. Je te jure. Non, mais il faut voir pour comprendre. Je te dis, il y a un truc cross, retour vers le futur. Ah bah oui, mais Sharknado, il y a les sharks, donc requins, et tornade, tornado, les tornades. Bah oui. Sharknado. Mais je te jure que ça vaut le détour. Comme je te dis, peut-être le premier, c'est peut-être un peu le plus chiant, mais si t'as pas vu les autres avant, ça va. Et en plus, il y a Steve qui joue dedans. Steve ? Ouais, Beverly Hills. Ah, oui, oui, j'ai vu, oui. Et je crois que c'est lui qui produit, en plus. Hein. Sérieux ? Bah, le mec, il a compris que c'était le rôle de sa vie, il ferait plus que ça dans sa vie. Ils l'ont pris nulle part, il a postulé, ils ont dit oui d'accord. Bah il a dit bah vas-y hein. La franchise je la mets à mon compte. Je produis la franchise. C'est pas con gars. Si je veux jouer dans un autre rôle. Attends, le mec il en a fait combien? 6? Il me semble. Attention, il y a la police. Mais je te promets que ça vaut le détour. Ah, si tu veux te marrer. Parce qu'il y a des délires, ça va tellement loin. J'ai vu qu'il y avait Sharknado contre Megalodon ou je sais pas trop quoi là. Non, non, faut vraiment regarder les Sharknado. Les dites. Ouais, les non-spin-off quoi. Vraiment celui qui. Il y a une histoire qui se suit en plus. Sérieux? Ça tourne autour de la famille de Steve. Lui, sa femme et ses gosses, je crois. Ils sont maudits, c'est ça? Ouais. Poursuivi par les requins. C'est ça. T'as tout compris le délire. Oh l'enculé. Oui, oh l'enculé. Il a pilé net. Pourquoi t'as pilé net? Ouais, j'étais maître de mon véhicule. Surtout, je t'ai entendu que t'étais en train de manger. Non. T'étais en pleine bectan, c'est... Pas du tout. Je suis sûr. Tu venais de piocher ou... Bah non, si je venais de piocher, j'aurais même pas eu le temps de réagir. Putain, on va arriver dans la nuit. Bon allez, ah bah oui. Je le double. Il est prévu l'arrivée à 22h. Ah bah fais gaffe, il y a plein de camions derrière. Ah quoi que c'est bon, il s'est rabattu à droite. Ok, moi aussi comme ça je peux accélérer là, parce que j'avance plus là. Avec tes conneries là. Bah fais-toi poursuivre par des requins, on verra bien. Là tu vas avancer. Bah j'avance, je suis à 65. Ah par contre, j'ai regardé la dernière fois une série. Ouais, j'ai regardé Resident Evil. Resident Evil... La version non, animation. Attends, attends. Dark... Oui, je l'ai vu. Et bah franchement... C'est chaud, elle m'a pas marqué par contre. Ils auraient dû le faire en film... comme ils avaient fait avec Des Générations et Vendetta. Oui, oui. Bah, je crois que c'est la même réflexion que j'ai eue. Parce que... Bah, ça sert à quoi de faire une série de 4 épisodes de 20 minutes? Oui, non mais c'est ça, oui. En gros, fais le film et puis... Non mais c'est pas ça, c'est que le problème, ils avaient... je dis trop long parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé, le fait de l'avoir fait en épisode, ça fait qu'ils répètent souvent plein de trucs, ils te remontent les mêmes trucs des fois. Tu sais, t'as tout le temps ce côté déjà vu, parce que... Alors que les épisodes sont sortis tous en même temps. C'est pas comme si à chaque fois il y avait une semaine d'écart, tu sais, pour te rappeler le truc. Non, non, les épisodes sont sortis tous en même temps et ils repompaient à chaque fois les mêmes images et ça m'a gonflé, parce que sur les 4 fois 20 minutes, en vrai, à chaque fois tu regardes un quart d'heure, donc t'as vu une heure de truc. Bah, au final, t'as même pas vu un film. J'ai été déçu parce que... Enfin, j'ai eu une petite déception parce que d'une...
c'était super court. Moi, je m'attendais pas quand ils m'ont quand Netflix m'a dit on va faire une série. Je me suis pas dit. Avec l'ondi à toi. Ouais, attends, ouais, moi, il m'avait même pas dit les salauds. Il m'appelle. Et je me suis pas dit tiens ils vont faire que 4 épisodes. C'est un raison civil quoi. En fait, si. Ouais, je m'attendais après 4 épisodes, donc je me suis dit bah ça sert à rien. Ils ont peut-être prévu une saison 2, ils savent pas encore, je crois, donc super. Je sais même plus. Si, déjà. Non, là. Déjà quand tu fais une série avec 4 épisodes, tu te dis pas tu prévois une saison 2. À ce moment-là, te dire, mets tout dans la saison. Dans ce genre-là, jeu vidéo transposé en série dans le même style. Si t'as pas vu, c'est Castlevania qui est pas mal. J'ai vu Castlevania. Ah, ils vont même faire un spin-off. Ouais, j'ai vu qu'ils parlaient. Après, je sais pas, ça n'a pas été encore validé, mais c'est en pour parler. Avec d'autres d'autres protagonistes dans le même monde Castlevania. Mais bon. Ah oui, ça a tellement bien marché. Le but à la base, c'est de suivre la famille Belmont, quoi. Si là, c'est pour suivre des randoms. La famille Belmont. Non, plus, non, c'est encore des Belmont et je sais plus qui, là. Ah non, ils sont censés être tous morts. Il y avait que le mec qu'on a vu, c'était le dernier des Belmont. Oui, mais ça se passe pas à la même époque, je crois, normalement, ce qu'ils veulent faire. Ah bon, je croyais que c'était à la même période, mais dans un endroit différent. Il faut que Dracula y revienne. Mais il est revenu. Non mais. Oui, je spoil, moi je m'en bats les couilles. Il y a des cycles. Même quand il revient et qu'il est méchant. Bah il était méchant parce qu'il avait plus sa femme, maintenant qu'il a sa femme. Bah justement, pourquoi là, il faudra bien qu'il trouve un autre prétexte. Bah là ils vont en Angleterre, je crois. C'est ce qu'il dit à la fin. Je crois qu'il veut avoir une petite baraque en Angleterre, un truc comme ça. Avec sa femme. Mais bon, sa femme, elle est pas éternelle. Bah non. Mais là, je sais même plus c'était à quelle époque. Alors là, je sais plus. Après, si tu veux tuer des vampires, il en reste deux. Hein. Oui. Minimum. Il reste les deux sœurs. Donc. Oui, forcément, il reste les deux qui se sont barrés. Quoi qu'attends. Si elles s'en vont avec l'armée, elle dit bon, on va pas aller dans le château. Il est en train de se faire assiéger. Et ils venaient de sentir que l'autre elle était morte, donc ils ont dit bon, on se casse. Oui, ils ont dit l'autre elle est sûrement morte. Alors... Hein? Non, mais attends, l'autre elle se sacrifie au soleil, je crois, avec le mec, non? C'est ça, toute seule elle se sacrifie au soleil, ouais. La plus mignonne des quatre. Attends, ah non, elles sont quatre, elles sont pas trois. Elles sont quatre. Ah, c'est pour ça, je voyais trois. C'est ça qui me perturbait. Ah, la meuf qui est gros, qui est vachement balèze. Ouais, genre la guerrière. Genre Broly là. Même elle a son armure pour aller dans la journée. Il y a la Renoir qui est sa fiancée. Il y a la petite jeune. Et il y a la chef. Et il y a la chef. Non mais je voyais trois dans ma tête. Par contre la chef elle était balèze mais de ouf. Ouais. Comment elle savait bien se battre et tout. Comment il me faisait que de poisson la voiture là derrière toi, tout ça pour tourner à droite. Et si... Attends, l'autre il est... Non, je sais plus. C'est ça. Les forgerons. Isaac ou l'autre? Je sais pas, l'autre qui était amoureux de la... Le blanc. Non. L'autre qui était amoureux de la... De la jeune vampire. Ouais, le blanc. Le noir, c'est l'autre qui est avec ses monstres. Ouais. Je sais pas s'il est blanc, je crois qu'il est aussi un peu bronzé. L'autre, il... Ouais, je mélange peut-être.
Non, non, c'est là qui est un Renault. Celui qui traîne avec les monstres. Quoi des gars? Ah putain! Qu'est-ce que ça fait? Je me suis pris un PV parce que j'ai pas mis mes feux. Ah! Hey, mais je fais de la thune, tiens! Intervention. 131 000 dollars. J'ai. C'est vrai. C'est cool! Mais pendant qu'on roulait, ils ont fait de la thune! Oh là là, comment tu conduis! J'étais en train de regarder le mauvais truc. Oh là, attends! Pourquoi? Fais gaffe, il y a une voiture sur ta droite! Je sais, il y a une Vistel Cruise. Tournez à droite. Oh, le danger public! Je la connais bien cette bagnole là! C'est celle de Foreman! Non, pas George Foreman, celui qui fait les barbecues. Le boxeur. Foreman de Z70 Show. Série que je vous recommande. Ouais, avec Ashton Kutcher. Et Mila Kunis. Oui. Et le mec qui a joué dans... Qui faisait Venom dans le Spider-Man de Sam Raimi. Dans Spider-Man 3. Et comment il s'appelle? Fez, c'est Valterra. Tenez la droite. Ah oui. Et bah il y a Red qui est connu. Bah oui. Et le père. Il y a la mère qui est connue aussi. Bah la mère aussi parce que la mère elle joue dans. Elle a joué dans Friends. Et il y a. C'est la mère du frère de Phoebe. Wow, je suis à 72, il faut peut-être se calmer, c'est 50. Non, c'est pas la mère du frère de Phoebe, c'est la femme. Ouais, sa femme. La mère des triplés, je voulais dire. Ouais, c'est ça. Et il y a... Bah, il y a l'autre aussi qui est connu... je sais plus comment il s'appelle. Ah, mais ils ont tous fait des petits trucs, hein, mine de rien. Non, pas Kelso. Non, Kelso, c'est... Kelso, c'est Ashton Kutcher. C'est l'autre avec ses lunettes de soleil là, et ses cheveux frisés. Bah c'est le fils, non? Non, le squatter. Ah oui, le genre de mexicain là, ou je sais pas quoi. Non, il est pas mexicain. Le mexicain c'est... C'est Fez. Et qui est pas mexicain, il est... je sais plus ce qu'il est. Non mais je parlais de l'autre, c'est son celui pote, qui là. Sort avec... mais on peut pas tout dire mais... Avec Ashton Kutcher. Mais comment on peut dire? Je sais plus comment il s'appelle. Ah bah j'ai les noms, ça fait longtemps que à part Kelso et fait. Oh là là le lag. Tenez la gauche. C'était la save, c'est pour ça. Bah ça nous dit de tenir la gauche. Ah bah je tiens la gauche. Ah ouais parce oh les gars. Je sais plus comment il s'appelle. Putain t'as de la chance qu'il y a personne derrière nous. Que là on aurait dû. T'as vu comment on aurait coupé? Comme des sagouins. Il y a la meuf de. Bon, il y a la meuf de Foreman qui est. Pas super connue. Enfin, j'ai pas vu dans une série ou dans un film. Je crois pas qu'elle fait un truc derrière. J'ai vu dans un film. Où elle se mettait un god, mais. Je sais plus c'est quel film. C'est un film genre. Tenez la gauche. Pas American Pie, mais un truc un peu bizarre. Et il y a fait une voiture sur ta gauche. Oh là là, le danger. Mais non, je vais sur la voie de gauche. Oui, t'as failli la défoncer à 50 cm grand max près. Ah, c'est pas grave, faut que... C'est comme au ski, tu fais gaffe au mec qui est devant. Oui, oui. Sauf que ta remorque, si elle avait touché, c'est des dégâts dessus. Ah, on arrive. Bah ouais, forcément, on est à 19 miles. Tenez la droite. On dit tiens bon la barre. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Un feu rouge. Je freine. Il est vert. Tournez à gauche. T'es où? Bah je suis derrière toi. Il est toujours vert quand je suis passé.
Bah on verra. Ah moi il est orange, c'est mort. Putain j'ai voulu m'arrêter en plus. De toute façon j'ai un feu rouge, donc quand tu passeras au vert, il sera vert. Ah ou. Fais chier, je l'aime bien en plus ce personnage là, j'ai plus son nom. Ouais bah toi t'es passé au vert et pas moi. Putain j'ai du micro lag j'ai l'impression. Ouais moi aussi. Je vais mettre sur la voie. Je vais faire ça, clignotant. Je vais me mettre sur la voie de gauche. J'arrive. Parce que. On va tourner à gauche. Alors. J'ai failli toucher. Soit je tourne à gauche tout de suite, soit je tourne à gauche au fond. Je pense que je vais tourner à gauche au fond. Il n'y a plus de bonbons, j'ai envie de dire ça, c'est de la faute à Butters. Bah, de toute façon, on est arrivé, t'as plus besoin de bonbons. Bah, si, pour la dernière course ensuite. On va aller à Washington après. On se fait une petite course. Ah non, tranquille. Comment ça, on roule tranquille? Ah, tu dis, on fait une course. Hein? Ah, je suis passé à l'orange. Ah ouais, je vois, t'es devant moi. T'aurais pu attendre. Bah j'attends, j'avance doucement. Tenez la gauche. Non mais au feu rouge. Tournez à gauche. Vu que j'étais derrière toi. Oui, un peu comme tu m'as fait la dernière fois. Tournez à gauche. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Monsieur, il est ouvert. Ça passe au orange, bah vas-y je passe comme ça l'autre con derrière il sera au rouge. Ah oh, c'est pas vrai, c'est un pur hasard. Non, tu l'as dit clairement, je l'ai fait exprès. Donc, faut pas prendre un vieux singe pour des grimaces. Hein. Bah si, ça fait des grimaces les singes. Non, ça se gratte le cul. Ça mange les poux sur la tête. Ça mange les poux sur la tête, ça se gratte le cul, et ça, des fois ça chie dans sa main et ça le jette. Bah ça te ressemble quoi, tu vois. Ah bah t'es là. Bah bien sûr que je suis là, faut bien que je sois quelque part. Non mais ça m'étonne que t'aies pas avancé plus. T'es sûr il veut me piéger? Ah, le train ne passe pas. Bah je m'en fous, je l'attends. On l'aura peut-être au retour. Portland Cargo Central. Cool. Bah moi je vais me poser tranquillos, Pépouze. Mais bouge ton cul. Bah attends, je me pose tranquillos, Pépouze. Oui, mais monsieur, dame, je pourrais faire des manœuvres. Mais j'ai pas envie. Moi non plus. Moi j'ai jamais envie de toute façon. Oui toi. Et alors? Oh! Pénalité de dégâts 1,5%. Ouais ça va. $2000 environ. Ouais 3000. Mais j'ai gagné 33 000. Ça va, je me suis fait 35 500. Ah j'ai passé un truc en plus. Bah vas-y, hop, ici. Voilà, j'ai tout fini. Il manque juste livraison juste à temps, mais je les mettrai jamais. Donc, c'est bon. Pourquoi tu les mettras pas? Bah parce que après je vais avoir des missions juste à temps et je vais pas faire gaffe et je vais l'avoir dans le fion. Dans le petit. Alors, pourquoi ils me disent progression 0 sur 5? Ça a pas compté? Bah j'ai envie de dire la même. Je sais pas, faut en prendre des ça se mettra peut-être à jour plus tard. Peut-être. Ah oui parce qu'il y a aucune mission où c'est précisé que de toute façon c'est lié à ça. Hein. Ah je suis étiré que sa mère. Attends, y'a rien là qui va à Washington? Nouveau-Mexique, Oregon. Alors, y a pas de Washington. T'as quoi en mission, toi? On est à Washington.
Non, on est à Portland. Eh ben, à Portland, c'est à Washington. Non, c'est dans l'Oregon, monsieur. Non. Si. J'ai regardé. Portland. Ah non bah... Portland dans ah l'Oregon, non monsieur. On est à Portland. C'est parce que mon camion, il est un peu plus haut et je suis juste à côté de Vancouver. Alors, Oakland, Tacoma. Bah, il y a Tacoma. C'est où Tacoma? Tacoma. J'ai Seattle. Bah, Tacoma, c'est à Washington. Bend, c'est en dessous. J'ai... Ah ouais, Tacoma. Ah, il vaut mieux aller à Seattle qu'à Tacoma. Tacoma, c'est un peu proche. J'ai Wenatchee. Qui est bah, au Wenatchee, milieu. C'est sympa. Ouais, c'est sympa, ça fait Medford. Un petit peu plus de route. Tu veux qu'on aille à Wenatchee? Kitchen, Livingston. Attends. Ah non. Ou Colville, ou Omak, ou Grand Coulee, t'as pas tout ça? J'essaie de regarder si ça monte pas. Mais t'as Wenatchee, ouais, j'ai qui Wenatchee, peut être intéressant. J'ai Salt Lake. Salt Lake, c'est tout alors, en bas. Ouais, Salt Lake, c'est trop près. Oh putain! J'ai un truc qui nous renvoie jusqu'à Oxnard. Ouais, j'ai vu, ouais. Je l'ai aussi, ça. Alors, Wenatchee. Olympia. J'ai Omak. Ah, Omak, ouais, c'est intéressant. Je te laisse choisir. Mais Omak, ouais, ça fait une petite distance, prêt quoi. À rouler. C'est bon, t'as... Ah, ça met rouge, comment ça se fait? Mais ça va juste au-dessus, comment... C'est quoi le truc? Ça me dit que je peux pas le prendre. Pourquoi? Bah je sais pas, ils disent DLC manquant, mais là je vois pas ce que c'est le DLC. Ah bon? J'ai pris quoi comme... C'est des surgelés? Bah oui, c'est pour ça que je comprends pas. Ah quoi que la mission, moi je l'avais pas, il me semble. Mais non, je peux pas. Je confirme. Bah j'abandonne. Mac. Vas-y, hein, c'est toi qui prends parce que... Bah attends, je cherche... Qu'est-ce que j'ai qui va à Washington? C'est quoi ce délire? J'ai... Attends, j'ai plus de mission à Washington, moi. Attends, je suis bien dans les contrats externes, ouais. Non... T'as vous... cliqué sur... Sur Portland. Sur Portland. Non, j'ai Wackland, Oxnard, San Francisco, Saint-Raphaël. J'ai plus de mission qui va à Washington, moi. Et ben, si t'as plus de trucs externes, regarde sur les offres de traction. Ouais, c'est ce que j'allais regarder, ouais. Ouais, mais là, c'est débile, le DLC, on l'a. En plus, ils te le disent au début quand tu te mets dessus. Bah oui. Alors attends, je clique sur Portland. En plus, on transportait, c'était juste une cargaison normale, je sais pas de quoi ils nous demandent des DLC, quoi. Alors, j'ai Salt Lake, mais c'est l'Utah, ça va faire une petite trotte quand même. Ouais. Vu l'heure. Wash, y a pas Washington, Utah, Oregon, Washington, j'ai Colville. Si. 300, ouais, c'est pas mal, c'est en haut à droite. Ouais, 361 miles. Alors attends, ça me dit redéfinir sur le GPS. J'imagine qu'il va falloir que j'aille à l'endroit de la mission. C'est ça que tu m'avais dit normalement. Parce que je sais pas, je crois que c'est pas au même endroit où on est. Bah, je vais te suivre. Mais j'avoue que là, ouais, j'ai pas compris pourquoi. Sachant que, regarde, je peux aller à Colville qui est encore plus haut, mais le truc en plein milieu de Washington, j'ai pas le droit d'y aller. Alors, il faut sortir. Comment on sort de cette merde? Tu fais demi-tour? Non, tu peux sortir en face. Ah bon? Ouais, t'as pas regardé ton GPS. Il y a une voie qui va direct tout droit bah attends, et après qui vient.
pas où c'est par contre. Je te rattrape. Ah, il y a une grille, c'est ça non? Attends, je comprends rien. Pas la grille ici, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est plus à gauche, mais il y a un muret. C'est là où je suis. Bah attends, je vois rien dans le noir. Fallait suivre la route. Tout droit. Ok. Bah comme je vois rien dans le noir, je t'avoue que je savais pas qu'est-ce qui était route. C'est éclair, ah bah je te jure qu'au moins on voit rien. Peut-être un problème de gamma ou je ne sais pas. Bah, j'en sais rien, mais ouais, moi c'est noir, j'ai noir. Augmenter un peu ta luminosité. Bah pourtant mes phares du camion éclairent normalement. Hein. C'est vraiment l'éclairage urbain, je trouve. Là ici il y a de l'éclairage quand même. Donc là ils disent d'aller à gauche. Je t'indique. Ouais, de toute façon je pouvais pas tourner à droite. Oui, après la prochaine à droite. Prochaine à droite. Eh, c'est quand même à 20 miles. Hein. Attention au feu. Ok, toujours tu devrais. Je te dirai quand on sort. Ah bah on sort à la prochaine je crois. Bah pas trop vite parce que ouais je crois que c'est ça. Ouais on sort à droite. Et après on va où? Sur la gauche, tu suis la bretelle. Il y avait plusieurs lignes. Là à droite. Là, on sort à droite. Et on est arrivé. Ça va être là un peu plus loin. Alors je sais pas comment, attention, il y a un feu rouge. Pas comment c'est foutu. Oh là là, le freinage. Mais c'est bon, mais ça a pas compté. Merde, pourquoi j'ai mis mon... Je tourne à gauche ou je vais tout droit? Non, je tourne à gauche. Non, tout droit. Ah, c'est après la station service. Putain, ça a pas compté, le mec, il a vos 3 qui a rempli la route. Mais ça a pas compté, je l'ai pas eu. Après la station service, c'est à droite. Eh, on peut prendre de l'essence, j'en ai plus beaucoup, moi. Ah bah... Ouais. C'est pas là, ça c'est pour les... si c'est là. Mais c'est là. Ah mais parce que j'ai déjà été dans des trucs comme ça où c'était pour les voitures. Tu peux pas. Bah ouais, quitte à faire le plein quand même avant de partir parce que... Bah en fait j'étais pareil que tout à l'heure moi quasiment. Quoique... Non je vais mettre un peu moins, je vais mettre 400 au lieu de 500. Ah non. Ah moi je mets tout. 30 litres de moins. Alors GPS. Alors GPS il dit qu'il faut qu'on sorte d'ici. Ouais mais c'est bon, c'est par là. La sortie est là. Non, y a pas de sortie. Bon moi je repasse par les stations. Il doit y avoir une autre sortie, mais je la vois pas sur la... Quoi, il doit y avoir une logique. C'est sûr.
Ok, on prend à droite donc. De toute façon, on suit les camtars. Hein. Ah, bah on va au Walmart. Ouais. Voilà, c'est ici normalement. Vas-y, prends la mission. Tac, c'était quoi, autotraction hein. Et on veut aller, ah bah tiens, bah c'est bon, en fait, on va prendre une mission, là déjà, il y en a deux. Normalement, ouais, sinon, c'est t'as, t'as, un petit point, t'as un petit rond pour dire que... Non, non, mais il me l'a mis d'office. Ok. Voilà, donc j'ai pris, on va chercher la remorque qui est au fond à droite. On y va. Alors, comment ils vont nous... Ah non, elle va être dans le petit renfoncement. Ah, il y a une maison, c'est derrière, ouais. Là devant c'est le parking pour le personnel. Ouais, ah, mais, pour des, les, ouais les mais des fois ils nous mettent une remorque ici, tu sais, en biais là. Et il faut qu'on fasse demi-tour là dans la petite aire. Arrête de me passer à travers, toi, je vois plus. Ah, je vois plus rien. Vas-y, merci, Jack. Il est temps d'aller travailler. Oh là là. Ah, je peux pas, moi ça me donne la chair ça. Ah, c'est une remorque simple. Ah bah nous, moi je mets vue extérieure. Bon, c'est ça. Je reste pas à l'intérieur quand quelqu'un me pénètre tel un fantôme. Allez. Bon, on va aller découvrir Colville. À droite. Dans l'état de Washington. Mais il roule comme un taré. Ah lui. Non, moi je prends large hein, pour sortir. Tenez la droite. Je connais hein, le droite. Truc où ta remorque elle frotte ou elle se prend dans un truc. Ouais, ça tenez va, c'est pas droite. Les pires sorties ça. Oh, ça m'a pas empêché de prendre large quand même, mais on a connu pire en sortie. Ok, on va à droite. J'arrive, hein, je suis derrière toi. Voilà, je suis t'es là. Allez, grand-père! Avance pas, allez, vieux! Let's go! C'est parti, c'est parti! Les mecs qui disent ça, ils se tapent une montée. C'est plus personne qui avance. Allez, on s'insère. Eh, parcours de 1096 miles quand même, je tiens à dire, sur la mission précédente. Zéro accident, j'ai juste frotté un tout petit peu. Une fois j'ai dévié un petit peu, non mais parce que tu faisais des conneries. Tu faisais des trucs quand même, on se demandait ce que tu faisais. J'étais en train de regarder dans mes rétros, je comprenais pas trop ce qui se passait. Des tunnels. Il y a les pilis. Il y a la pilis, elle va te doubler. Imagine, ils te mettent une amende pour faire du bruit. Oh non, mais foutage de gueule là, c'est du harcèlement. Encore, bah moi aussi. Mais on vient de commencer. Bah ouais, je dois dire que poser. Recherche là, bah, d'un nouvel itinéraire. Putain, j'ai eu de la chance, la police a été déjà devant parce que je respectais pas la vitesse. Mais t'arrives comme un malade, toi, encore. N'est-ce pas? Tu crois que je t'ai pas vu? Ton freinage sec, là? Je t'ai entendu glousser, aussi. Je crois que je l'ai pas entendu. Là, ça dit plus rien, là. Allez, let's go! Allez, j'arrive. Même pas il attend les potes, le mec. Bâtard, je vais défoncer ta bagnole. Oh là là là.
Mais qui est Sadigo? Je m'insère. Le mec qui roule à côté de moi, genre, bah non, c'est moi qui passe. Il y a de la chance que j'attendais mon copain. Vas-y, c'est 60 ici. Bah attends, je suis en train d'accélérer. Bah je sais pas, t'avances pas. Bah j'ai dû m'arrêter. Attends, je bloque la voie de gauche. Si tu veux la prendre, dis-moi. Non, non. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des voitures devant toi et que ça avance pas. Ah non, ils sont loin. Enfin, loin. 3 points. Ah, ça monte. Ça monte que dalle. Ah si, ça monte, j'ai pas le temps de... Qu'est-ce que ça dit? Virage à droite? Ouais. Si tu mets un panneau, c'est qu'il est... relativement... voilà. Bah, fais pas ta petite chatte. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Bah quoi? On le voit. Je suis sur la gauche. Mais t'es... J'ai vu que t'étais loin, je me suis dit bah le mec il veut me laisser passer. Mais j'étais à côté de toi. Ah, tu m'as défoncé. Dans mon rétro. Il prévient même pas. En plus il se barre dès les fuites. Bah moi j'ai rien eu, ça m'a pas marqué que j'ai eu un accident. Bah je crois que j'ai pas eu de dégâts mais tu m'as déboîté. Oh moi ça a un peu tremblé et voilà. Le mec s'est un peu tremblé, il se demande même pas pourquoi. Ça... bah non, j'ai vu que ma danseuse elle dansait un peu plus que d'habitude. Ça le tenait de poule quoi. Non mais en plus des lits de fuite, le mec il se barre l'air de rien. Même pas il attend son pote. Salon. Mais j'allais pas m'arrêter si t'étais en perdition. Si t'étais en perdition. Non mais écoutez-le, la raclure. Je le crois pas. Le mec il prévient même pas qu'il va tourner. Ouais, là-dessus c'est vrai. C'est vrai que je devrais jouer plus de... J'aurais pu lui avertir que j'étais sur sa gauche. J'aurais pu lui dire, ne fais pas ça, je suis sur la gauche, attends, je ralentis, je te laisse passer. Déjà, en plus, je te l'ai dit, à voie de gauche, hein. Je t'ai dit, si tu veux passer, je fais tampon. Vas-y, je fais bas, je fais bouclier ou barrage, je sais pas trop quoi, là. 500 mètres avant. Bah voilà, moi j'ai cru que tu le faisais toujours. Bah tu m'as dit, les voitures, elles sont loin, ça avance, moi je me suis dit, reste sur sa voie, moi j'ai pris la voie de gauche, hein. Moi j'allais passer devant toi, j'étais en train de te doubler. Et encore un peu, si j'avais pas ralenti, genre 5 secondes plus tôt... J'avais pas eu fait le coup foireux. Là, le mec il rentre dans ma cargaison. Quoi? Le mec il me rentre dedans et c'est moi qui rentre dans sa cargaison. Bah, t'es derrière moi forcément, c'est toi qui rentre dedans. Hein. Non, j'étais sur le côté, c'est toi qui as fait une queue de poisson. Donc t'as mis ta livraison en danger. Ma queue sur le poisson. Sérieux quoi? Le mec il te rentre dedans, il dit que c'est toi. Oui? Non. Ça s'appelle une arnaque à l'assurance. C'est toi l'arnaque à l'assurance. J'étais en train de doubler. T'avais pas à te faufiler comme ça. T'es la Rinart. Bah. Danger public. Je le crois pas. Oh, je commence à laguer. Je suis fou. Mais il est fou surtout. Pourquoi ça lag? C'est pas normal, le jeu il est censé être nickel. Le mec il m'emmène dans la mort. Ah, ils annoncent des travaux. Des travelots, ouais. Ah putain, voie de gauche ou voie de droite? La voie de droite. La voie de droite. Elle est libre. Oui, parce que la voiture elle s'est insérée à droite donc. Non, elle est d'après pas moi. La voie de droite se rétrécit vers la gauche. C'est bon, ils m'ont laissé passer, je suis passé en douceur. Mais quand est-ce que t'as pas de problème? J'ai du lag. Ah bah tu vois, t'as goûté ce que j'ai goûté la dernière fois. Au fait,
Au fait, tu sais le jeu Marvel que je te disais, je ne sais plus, il faut que je retrouve, machin. Ouais. J'ai retrouvé. Oh putain. Bon, je suis en train d'avancer. Tu peux pas dire que c'est là. Non, je sais pas pourquoi. J'ai vrillé, je t'écoutais et j'ai vrillé vers la gauche. Ah d'accord. Donc le jeu il considère que il a voulu me réorienter. J'ai failli finir sur la voie opposée. Et Marvel donc oui. Voilà. Oh putain, donc, je me suis rattrapé. Marvel Heroes. Ouais. Mais il n'existe plus. Ah, alors, dommage. Mais il y en a un autre qui est pas mal aussi, que j'ai découvert, qui s'appelle Marvel Future Révolution. Un gacha pareil. Par contre, putain, qu'est-ce que vous faites? Oh putain, il y a encore. Attention! Une voiture! Voilà, tu l'as touché! Bah oui, mais. Oh, il a tout dégommé! Regarde sur la droite tout ce qu'il y avait en mode. Tout le monde s'est arrêté et tout ça à cause d'un camion qui faisait chier! Hein. Non, mais on freine, monsieur, on rentre pas dans les voitures comme t'as fait! T'as pas regardé sur ta voie! J'ai pas fait gaffe, j'ai voulu me déporter sur la gauche et j'ai pas vu qu'il y avait une voiture! Et comme je disais, ouais! Mais par contre, il y a beaucoup moins de personnages que dans Marvel Heroes. Ah, c'est pas Destruction Derby ici, monsieur. Tenez la droite. Tu t'es cru où, toi? Sortez à droite. Oh merde. Il y en a que 5 ou 6, je crois, que tu peux. Vas-y, prends la droite. Personnage jouable. Vas-y, sors. Combien? 5 ou 6. Ah ouais, c'est pas beaucoup. C'est peu. Oui. Tu as Spider-Man. Ah, c'est pour ça que je te dis que je veux l'Ultimate Alliance 3 là sur Switch. Black Widow. Histoire de me faire un peu plaisir. Iron Man. De tabasser. Captain America. Star-Lord. Ouah, c'est beau avec tous les poteaux électriques là-bas là. Et Storm. Je sais plus comment on appelle ça. Je retiens que t'as un danger public. Et Miss Marvel. Ça fait 6. Ouais, j'en jouerai pas beaucoup quoi dans le lourd. Si, tu peux tous les jouer en fait. Oui, mais entre ceux que je veux jouer et ceux que tu veux. Et ceux qui m'intéressent. Pas. Bah, moi j'ai. Pour l'instant, tu peux jouer avec tous les persos et j'ai pris un perso. Je joue avec Spider-Man pour l'instant. Bah oui, tu m'étonnes. Je commence avec Spider-Man. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, j'ai pas besoin d'y aller. Moi, je dois y aller. Ok. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. On oublie pas qu'il faut ralentir hein, quand on rentre là-dedans. Ouais. Voie de droite. Hein. C'est à droite, hein. Ouais. Ok, c'est bon. Bonne route. Je pense que le prochain perso que je vais faire, c'est. Ah, ça y est, il fait jour. C'est Storm. Fais gaffe au camion. Vas-y, tu peux y aller. Hein. Ils sont. Ah, bah non, tu peux plus. Oh là là, fais gaffe, il y a un camion. Deux camions. Tenez la gauche. Et il y a le même que toi, c'est Walmart. Freine. Non, mais t'aurais pu passer sagement. Je t'aurais laissé passer entre les deux camions. Il fallait juste que tu t'arrêtes. Ouais, mais j'étais sur une voie de sortie. Et ça va. Ben, ça dérange tout. Mais non, parce que les deux camions, ils allaient tout droit. Ouais. Et moi, j'étais derrière. Donc, ils seraient passés. Et après tu. Oh là là, lui il fait le mec derrière toi, il fait des queues de poisson. Ah bah oui. Les gens font n'importe quoi. Non mais là il a changé de fil, tout. Franchement, il est resté même pas une seconde, il s'est remis à droite. Ah bah j'ai eu ça tout à l'heure. Tenez la droite, puis
puis sortez à droite. Ah, on tourne à droite. J'ai eu le mec qui se décale sur la gauche. Non, le mec qui avance pas, qui freine tous les 5 minutes. Sortez et d'un à coup, droite. Il se décale sur la gauche, je dis bah c'est bon, et il revient sur la droite. J'ai dit bon, là, il se fout de ma gueule. Putain, mais tout ça pour aller tout droit en plus, ce con. Je pensais qu'il voulait sortir à droite aussi, moi. Mais même pas. Ah, c'est joli quand Washington se lève. Avec le lever du soleil. Ah oui, là on va vers l'est, donc le on a le soleil, ouais. Le soleil se lève. Avec mon petit ami polonais. Non, mais je crois que le reste des phrases, c'est grand-père et grand-mère viennent de se lever. Déjà levé ou... Ouais, mais je les connais pas, moi. Ou sont décédés, je ne sais plus. Ouais, je crois mais que le soleil vient de se lever. Grand-père et grand-mère sont tenez décédés. La on va passer une mauvaise journée. Et il y a la miricorée. On va en consommer avant de l'enterrer. Voilà, fais gaffe à ce que tu fais là, il faut prendre un motel. Puis sortez à droite. C'est l'ami des petits sortez étonnés. À droite. Tout le petit étonné. Vous freinez. Non, mais j'avais anticipé moi, mais ah toi bah, je pensais pas qu'il était aussi. Mais j'ai arraché un poteau. On sait pas qu'il était aussi tendu le. Là, je lui ai dit fais gaffe, c'est une bretelle en plus. Le mec, tu préviens, il fait jamais gaffe. Je suis désolé, j'ai déjà porté des bretelles, c'est pas tendu comme ça. Ah ben voilà. Écoute, Michel, un peu. Oh, le danger public. Ça fait deux sessions qu'on fait, t'es un vrai danger public. Ouais. C'est vrai. Je me demande pourquoi. Il y a du relâchement. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Tenez la gauche. Ça se relâche trop. C'est pas truck arcade racing. Oui, c'est truck simulateur. Truck simulateur, c'est vrai. Parce que là, entre tu nous fais de l'auto-tamponnant, tu regardes mais pas non, l'environnement. J'étais un peu vite, c'est vrai. J'étais un peu négligent, c'est vrai. Un peu. Oh, mais bordel. Ah, moi cette fois-ci j'ai pas le droit. Bon bah je te suis de toute façon. Oh, putain le soleil en plein gueule. Peu importe, en plein gueule. Je trouverai un nouvel itinéraire. Ah bah je vois que dalle. Allez. Et c'est qui part. Vas-y. Bah attends, je respecte la vitesse. Oh. Je suis à 20 déjà. Voilà, c'est bon, 60. Par contre, faudrait que je vienne me coller derrière toi, comme ça j'aurais plus le soleil. Qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse passer? Il te laisse pas passer? Ah ouais, il a l'air de laisser passer. Il te laisse passer? Est-ce qu'il te laisse passer? Bah, il est obligé. Je suis plus gros que lui. Je fais un petit merci. Non, moi je lui fais un fuck. Oh salaud. Je savais que t'allais dire ça en plus. Je l'ai pensé très fort intérieurement. Non, j'ai pas fait un fuck, c'était la police. En plus. Enfin, je crois. Ah, attends, il passe sur notre gauche. Si, c'est la police. C'est le shérif. Ouais, respecte la vitesse. C'est le chétif. Non, c'est le county. Eh ben, c'est un shérif. Je suis pas sûr. Ah si, il y a la police aussi des comtés sur les voies rapides. La police du comté. Ouais. Je sais pas si ça existe. Je crois que c'est plus les shérifs avec ce genre de voiture. Je sais pas, je pourrais pas confirmer à 100%. Attention, il y a un camion devant. Ah oui, c'est change toi. De voie.
Pas moi. Deux camions devant. Ça freine, ça freine. Et la voiture, on sait pas ce qu'elle fait devant. Oh, les queues de poisson que tu fais. Comment ça tu viens de te rabattre sur la droite et t'as fait freiner le camion. Et après, il part en deux fois. Je me suis pas rabattu à droite, j'étais sur ma voie de gauche, j'ai freiné. Ta cargaison a... disons que t'as pas épousé le virage. Tu l'as pris en ligne droite. J'ai dû freiner. Mais j'ai dû freiner. Il y avait deux voitures, la voiture devant, elle avançait plus. Oh putain, ah non, c'est bon. J'ai cru que la voie se fermait en une. Non, mais c'est parce que la voiture devant, elle a freiné, on sait pas pourquoi. Elle s'est arrêtée devant l'autre voiture. Donc j'ai pas pu m'insérer totalement, c'est ça que t'as voulu dire. Ça, j'y peux rien. Je peux anticiper que la voiture, elle va freiner sec, hein. Sans raison. Oh putain, ça lag. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. On doit pas sortir. Non, on a encore de la route. Quoique j'aurais pu sortir pour rentrer parce que ce bout de route, je l'ai pas sur ma map. Ah non, fallait pas sortir. Non, t'es fou toi. C'était de l'exil. Tu serais sorti, mais oui, t'aurais mal fini là. T'aurais dû récupérer plus loin là-bas. Là. C'est vrai. Faudrait mettre un système de teinture de teinte de... Attention, rétrécissement de la chaussée. De pare-brise quand il y a le soleil, un peu comme les lunettes. Ouais, c'est vrai. Bah, je sais pas, on peut pas mettre le pare-soleil normalement. On en a pas. Ah, si, je crois qu'il faut le. J'ai gaffe, faut le gaffe, mettre, mais ça fait moche. Bah, ça dépend si ça te protège du soleil. Ouais, mais ça fait moche. Je l'ai vu sur le camion, ça fait moche. Donc, je le mets pas. Ah bah faut savoir, hein, est-ce que tu veux le confort visuel ou le design? Non mais à l'intérieur, voilà. Ils auraient pu mettre... Ah ouais mais non. J'oublie que c'est pas possible. C'est pas comme les voitures. Bah non. On est tranquille, il n'y a personne sur la route. J'avoue, c'est vide là. Ah, il y a un camion, je crois, devant. Je vois que vous êtes pas trop bavard, n'hésitez pas à dire un petit bonjour dans le chat, hein, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. C'est faux, je veux pas rappeler ce qu'on dit à chaque fois, ça fait pas forcément plaisir. Si, un petit ça bonjour, dépend ça fait qui dit plaisir. Pourquoi. Non? Un petit bonjour, un petit salut, comment ça va? Salut! Salut! Bonjour tout le monde! C'est cool aussi, ouais, un petit bonjour tout le monde! Non, en plus, là, vous arrivez dans une période creuse, c'est pas de notre faute. Voilà. Ah, par contre, si vous êtes arrivé avant, vous auriez fait des accidents de perte. Non, j'ai pas fait des accidents, j'ai fait des accrochages. Des accrochages, c'est un incident. Comme tu nous as dit au début, j'ai ripé. Non, mais moi j'ai frôlé la barrière, oui, certes. Bah voilà, moi j'ai frôlé un peu partout. Mais c'est parce que tu m'as fait marrer, toi t'as créé des accidents. Alors là, c'est faux. Oh, il m'a rentré dedans le mec. C'est faux, ça m'a même pas marqué comme quoi j'ai eu un accident, donc j'ai tapé dans personne. Ouais. Ah, t'as bordel. De la chance qu'il y avait la synchronisation, non, ouais. Bon, il a une voie devant lui. Mais freine pas, toi, si t'es la voie de gauche. L'autre, il est censé avoir une sorte de voie rapide et il freine. Fous ma gueule. Ah, ça s'insère ici, il y a du monde. Ça fait plaisir d'avoir des compagnons. Ça s'insère Screed. Est-ce que j'ai perdu Jackie, là? Mais non, je suis derrière. T'es où, mon Jackie? Je suis un peu loin, mais j'y arrive. Pourtant j'étais à 60 piles hein, depuis tout à l'heure. Bah moi aussi, c'est pour ça que... Là, on va sortir à droite. Oh, il y a le train, le métro, le train. On est à Spokane. À Spokane? Ouais, bah oui, c'est au nord de Spokane, Colville. Attention, faut freiner. Hein. J'annonce parce qu'après il va me dire j'ai un accident. Sortez à droite. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je me suis inséré comme un gros porc. Mais au moins je me suis inséré. Bon, au moins t'es là. T'as freiné.
J'ai freiné. Oh, le danger. Parce qu'ils s'arrêtent tous devant, hein. Ils font le stop. Alors, je sais pas s'il faut prendre gauche ou droite. Je me mets à droite. Vu que ça fait une ligne droite, d'après ce que je vois. Ah, on est de retour à Spokane. Feu rouge. Non mais ça, il y a toujours des feux rouges. Non mais j'annonce qu'il est rouge. Pour pas que t'arrives derrière et que tu me tamponnes, on sait jamais. C'est pas que j'ai pas confiance, mais j'ai pas confiance. Alors on va découvrir un point d'intérêt. Tout droit, sur notre droite. Nous sommes à Spokane. Oh là, je vais trop vite. Allez tout droit. Non, d'abord on freine, parce qu'il y a un feu rouge. On passe au-dessus de la rivière. C'est sympa. Ouais, ça a l'air sympa, Spokane. Il y a des arcades. Il y a un pawn shop. Ouais, je t'ai dit, c'est un mélange un peu ancien et moderne réunis ensemble. Il y a le truc des conventions. Qui est là. Entreprise, ouais, ça a l'air d'être ça, c'est pas celle-là, mais j'aime bien les petites villes comme on voit dans les petites villes américaines comme on voit dans les films. Tu sais, les films de l'après-midi. Ouais. Les films de Noël. Allez, les films de Noël droit. Qui vont bientôt arriver. Ah bah là on arrive dans les périodes, ouais. Et j'aime bien parce qu'ils ont toujours des petites villes. Halloween d'abord. Tu sais, t'as tout le monde qui se connaît. Il y a le petit café où tout le monde va. Où les gens, il y a la petite ville qui est un peu commerçante, machin. Et les gens habitent un peu plus loin, dans des petites maisons isolées, machin. J'aime bien. C'est ce genre de petite ville que je voudrais bien aller un jour aux États-Unis. La voie de droite va disparaître. Je t'annonce, hein. Si tu peux t'insérer à gauche, fais-le. C'est pour ça que j'ai choisi une petite ville pour mon entreprise. C'est pour ça que j'habite dans la petite ville de Salem. Quand tu rentres sur l'autoroute, c'est pareil. Après que tu t'es inséré, la voie de droite, elle disparaît aussi. Voilà, pour info. Parce qu'il va nous faire des accidents, en plus je serai pas là pour voir cette fois-ci. Ah ouais, non mais tu m'attends même plus, quoi. Bah je peux pas. Tu veux que je t'attende comment? Je suis en plein milieu de la circulation. Je sais pas. J'aurais pu attendre deux fois au feu rouge que j'arrive. Ouais, c'est pas faux, mais il y avait des gens autour de moi et derrière moi. Et alors? Ben... T'as jamais attendu au feu rouge? Non. Attends au feu rouge, les gens ils peuvent pas avancer puisqu'ils sont derrière. Ouais, mais après ça fout la merde. Ah non, ils parce avancent que comme pas, ils donc ils attendent. Bah oui, mais ceux qui viennent des voies perpendiculaires, ils sont coincés aussi. Non, ils donc après ça fout la merde. Bah pas forcément s'ils veulent tourner. Ah ouais, bah, mais s'ils veulent tourner aussi. Ah oui, mais ça fait bug il y a, frère. Non, l'IA elle est pas trop buggée, ils attendent quand... On est sur une petite route de campagne, là. C'est cool, ça me fait penser à l'Oregon, un peu, ce coin-là. C'est vrai, mais Washington, c'est beaucoup plus boisé comme ça, en fait. L'état de Washington. Ah bah forcément, bah le nord, surtout. En plus, devant ici, moi, il y a une y a voiture plus avec de... une carriole tu sais, quand tu travailles ici, à Washington... Ton comment on appelle ça
Ta remorque spéciale bois, elle sert beaucoup ici. Ah bah oui, tu m'étonnes. T'as même une DLC spécial bois, je crois, qui est sorti avec Washington. Ou pour Washington. Ah non, les gars, vous abusez. Presque arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils avancent pas. Ouais, nous, ça roule bien, quand même, mine de rien. Alors que on est limité, je suis limité à 60 et... Mais ils veulent pas avancer. Bah, là où je suis, moi, c'est 35. Il y a un giratoire. Cool. Ah oui, c'est vrai que... On a découvert Coverville. C'est vrai qu'il y a un rond-point dans l'état de Washington. Bah, il est là. On y est. Petite ferme à gauche. C'est de vous faire voir des petits trucs vite fait. Hein. Là, petit pâturage. Petite montagne aussi là-bas au fond. Attends, non, c'est forêt ou montagne? Non, c'est montagne ça. Je sais pas si aux États-Unis il y a beaucoup de. Oh, le gros burger qui tourne. Je sais pas s'il y a beaucoup de sens giratoire aux États-Unis. Non. C'est un truc très français le sens giratoire. Ah, voilà Monsieur Butters. Préparez-vous à sortir à droite. Tu vois que j'étais pas loin devant toi. Attends, c'est où que je dois aller? C'est là? Bah, là où je suis. J'ai failli me faire arnaquer aussi. Attends. C'est à pile où je suis. T'es où? Bah là, tout de suite sur la gauche en fait. Il y a une grille. Ah merde. T'as été trop loin toi aussi. Non, je suis sorti du giratoire. Allez tout droit. Bah il fallait sortir de toute façon. Non, j'ai... Bah, t'es sorti trop tôt. Bah ouais. Non, attends, oh là 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 là, on va pas commencer hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah merde, est-ce que je peux zoomer plus? Pour voir les conneries. Mais normalement, oh là là, oui, normalement t'as une touche pour une caméra libre. Donc tu peux te promener dans la ville avec. Ouais, mais c'est aussi drôle de te regarder sur la map. Ah, il pleut. C'est rigolo. Ah ouais, donc ouais, tu dois faire demi-tour. Oh là là, avec la remorque en plus. Bah non, c'est en vrai, sinon t'aurais pu aller tout droit et faire le demi-tour après en tournant. Grand tour, mais là je le fais sur le carrefour. Ouais, non, mais je vois ça. Ouais. Oh là là, le danger public. Ah oui, mais je m'en bats le Marion. Marion Cotillard. Ouais, le coquillard. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Vous voyez, j'ai bien fait parce que lui, j'ai vu. Sortez à droite. Moi je sais. Tournez à gauche. Et là, il faut tourner à gauche tout de suite. C'est terminé. Ouais, oui. Faut que tu fasses gaffe, c'est une sortie et t'as la grille. Par contre, ça a toujours pas mis à jour les steering wheel là. Roll out. Toujours à 0 sur 5. Hein. Donc même la première, ça nous a pas compté le contrat externe. Alors je sais pas s'il faut en choisir ouais, certains. Je me suis posé la rage, j'ai pas fait le truc. Hop. Ah putain, ça me dit qu'il y a aucun truc ici, oh, c'est abusé. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait, on s'arrête là? Ouais, il est 4 heures. Ah bah ouais, les 4 heures passées, on est dans notre timing. Ouais, ça va, on a fait de belles courses. Mmh. On a fait environ un peu plus de 1400 miles aujourd'hui, c'est pas mal. Ouais, on est parti de la Californie, donc de Los Angeles. Et ouais, jusqu'au nord de, et de Washington. On est arrivé au nord de Washington. Donc en gros, on a fait ça, je vais vous montrer vite fait. Là. Voilà. Ouais, on a fait une sacrée route, hein, mine de rien. Ah, si on avait voulu faire plus, il aurait fallu partir de San Diego. On est parti de Los Angeles. On est monté comme ça. Ouais, on a fait une sacrée route. Hein. On s'est arrêté ici,
à Portland. Et après, on a été jusqu'à Portland. Ouais. Une route pour monter jusqu'à. On a fait Portland Colville. En passant par Spooky. On a fait un beau trajet. La prochaine fois, on pourrait essayer de se trouver Colville, Bellingham. On a fait trois états. Pour faire tout le nord de Washington. On a traversé trois états. Pardon, on a fait trois états. Donc, j'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est bien marré. Ouais, c'était rigolo. T'as fait des conneries, on sait pas pourquoi, mais. Ouais, c'est en ce moment, je suis fatigué. Enfin, je sais pas, mais ouais. Dans le public, monsieur fait n'importe quoi. Tiens, je vais regarder les dégâts de mon camion. Et donc, ça va, t'as pas de chance. Avec les pneus qui ont pris un peu, ça a pas touché mon châssis. Je vous dis. Je t'en sors bien. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Et à ciao, les amis. Ciao, ciao.